OK, bon. Ouais, là, tu peux y aller. Bon, ben, salut tout le monde, bienvenue dans ce le casque. C'est weird de faire une intro sur Skype, mais... Bonjour. Mais quand on enregistre dans ta cuisine, c'est weird aussi. Ouais. Ouais. C'est la même chose pour les autres, là. Ouais, bon, ben, salut tout le monde! Ah, Chris, je m'ai pas préparé le Patreon, mais ouais, ben, super content d'avoir avec nous cette semaine, monsieur Dom Massy. Merci beaucoup. Ouais, d'être là. Ouais, merci. Merci. Membre UDA. Oh, membre UDA. Ah, merci de l'invitation. Ouais, merci. Ouais. C'est comment tu as vu tes points UDA dans le fond? Le jour puis la nuit, mon gars. Gros gars, man, gros gars. Moi, je suis membre stagiaire encore. Je pense que j'ai comme 2 points. Oh, Chris, c'est une carte pis toute, est-ce que tu... Ça, là, tu fais plus jamais la file au cinéma. C'est malade. Oh, c'est Star Wars, il faut aller acheter nos billets 4 heures d'avance. J'ai arrivé 15 minutes en retard, j'étais assis à ma main. C'est l'affaire qui te manque le plus avec le confinement, le cinéma? Pardon? L'affaire qui te manque le plus avec le confinement, le cinéma ou... Ah, ben, aller au cinéma de Marzac avec Julien, puis on allait voir 3 films de suite. On payait pour les 3. Hein, on payait pour les 3, là. Tout le monde. Ben, oui. On changeait pas de salle, là. Est-ce que le monde te demandait pourquoi tu revenais en avant? Pourquoi t'as juste pas changé de salle? Non, je payais pas pour les 3 pour elle. On en payait pour 1. Ok. Excusez, j'ai vendu la mèche. Ça, je faisais ça à genre. Comme... 12 ans au cinéma qui était à Place Versailles dans le temps. Puis j'ai tout le temps soupçonné que c'était à cause de ça que le cinéma a fermé. Parce que tu passais, puis après ça, t'étais comme vraiment free fall. Fait que c'est juste rempli de monde qui switchait de salle tout le temps. Ouais, ouais. Puis en plus, il s'en fout, là. Parce que tu sais, des fois, j'y vais avec mon gros chandail de Mickey Mouse. Tu me vois, là, que c'est... Ouais, ouais. Je suis là depuis 9h dans le cinéma. Personne ne voit la salle. Notre sac à dos est rempli de bière. Puis... Ah oui, c'est une affaire que là, je vais vous éduquer, les gars. Là. Puis les filles, là. Si vous allez, tu sais, mettons, nous autres, on va au cinéma, puis on pogne des canettes, genre, puis, tu sais, c'est facile dans un film ordinaire, t'attends qu'il y ait un gros moment de bruit, de son, t'as un char qui passe, quoi de même, là, tu l'ouvres. Tu vois, on avait été voir A Quiet Place. Oh, tabarnak. C'est comme film, hein. On y avait pas pensé, puis là, on avait nos canettes, le film commence. le 2, ils vont pas me casser de main, mais si. Non. Ils vont les ouvrir d'avance, les cadets. Ouais. Marco a essayé ça avec Toy Story, by the way. Il n'avait pas attendu, lui, par exemple, qu'il y ait un boom pour sa canette. On a juste entendu comme... Le monde s'en crisse, là. Moi, j'amène tout le temps de la bière au cinéma. Je fais un minimum attention pour pas que ça soit genre juste un gros moment deep de silence important. Là. Genre les grosses tensions, puis t'entends juste comme... Mais tu sais, tu l'ouvres un moment donné, puis le monde check le film, là, il check pas toi. Puis ceux qui travaillent là, si c'est des commis au salaire minimum, eux, ils veulent juste mettre ta bière par terre. Là, tu sais, Vas-y, Marco, excuse. Oh, non, vas-y. Non, c'est juste un mauvais gag. Là, ben, je disais, la bière, ça dérange pas, mais quand je la bois, puis je fais, ça fait tellement du bien. ça me calme, là. Là, ça dérange le monde autour de moi. Je pourrais pas vivre sans toi. Ça fait un bon pont avec ce que je voulais dire. En fait, c'était genre, tu sais, je suis allé voir le dernier Star Wars, puis j'avais pogné des gummies au weed pour y aller, puis j'avais de la bière aussi. Sauf que les gummies, c'était vraiment fort. Là, je me suis mis à paranoïer. Que tout le monde savait que je buvais, puis qu'il allait aller me stouler. Genre, mais c'était la première. Là, fait clairement, personne serait sorti de la salle, là, c'est-tu, pour manquer un bout pour ça. Mais là, à toutes les gorgées que je prenais, j'étais sûr que tout le monde le voyait, puis qu'il allait me stouler. Puis, fait que là, j'angoissais. Fait que je me disais, je vais boire pour me calmer. Puis, genre, en tout cas, c'était un esti de servicieux pendant. Ouais, fumer au cinéma, c'est la pire idée, en fait. Pour moi, en tout cas, là. Moi, mais toi, fumer d'un sofa, c'est la pire idée aussi. Ouais. Dans mon cas, oui, c'est vrai. Ça me fait pas bien. Faut que je compte ma respiration pour dormir, là. C'est pas un bon flash, en général. C'est pas tant le fun. Ouais. Ouais. Ben, Mr. Bean, sur le pote, t'as pas payé. J'arrêtais pas de dire parce que, il est ben nono. C'est-tu que c'est le sûr, en fait? La série, genre? Non, c'était le film. J'étais aussi là-bas. Les aventures de Mr. Bean, qui est sorti genre en 2011, peut-être, je sais plus. C'était pas les vacances de Mr. Bean? Les vacances. Mr. Bean, ouais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que j'avais dit?
Les vacances, aventures, mais c'est les vacances. Ouais, ouais, les vacances, c'est ça. Ouais. C'est les vacances de Mr. Bean. Puis je me souviens, là, j'étais comme, oh, il est ben nounou. Donc, c'était un peu nounou. J'avais tellement ri dans ce film-là. Dans le... Tu dirais qu'il J'avais tellement ri dans ce film-là là, quand, que, quand les tanks passent sur son vélo, là, puis il voit tout ça au ralenti dans sa caméra. Là, il est comme, fuck off. Oh, il est un peu nounou, c'est sûr. Ah ouais. Ah ouais. Ou dans la vieille série, là, quand il s'habille dans son char pendant qu'il est dans un carrefour giratoire, là, puis qu'il se brosse les dents. Là, il crache, ça arrête un gars, esti. Bah! Ben oui. Hein, pour vrai? Ouais. Mais non. Ça arrête un c'est gars. C'est vrai. Ouais, ouais, wow. Un gars qui est penché, puis là, il pense que c'est un oiseau qui a chié dessus, fait que là, c'est bien drôle. Ah oui, c'est vrai. Ben, c'est un peu nono. Ben, c'est assez cool, Ben. Il y avait-tu genre les fesses écartées puis il a comme essayé de viser le bullseye, genre? C'était-tu comme cru à ce point-là? Ou non, c'était trop c'est BBC? C'est, fun, c'est sûr que non, là. C'est ultra familial. Ça serait tellement bizarre, resti. Tout va bien de m'amener paf un anus. Calice. On l'a échappé, là. Bon, ben, rentrer à la maison, on peut dire à ma femme que son mari n'a plus d'emploi. Mais, Mr. Bean, apparemment, il avait volé le sketch du batteur à Michel Courtemanche. Ouais. J'avais entendu ben, un drôle d'hasard parce qu'il l'avait vu, il l'avait vu l'été à Just for a Laugh. Michel Courtemanche était sur le même gala que Ron Atkinson. Puis l'automne d'après, ou mettons, son. Pas longtemps après, il y avait un numéro de batteur dans le show de Rowan. Puis il y a même beaucoup de monde qui ont été le voir. Ils ont dit « Hey, t'as pris ça de Michel Courtemanche? » J'ai dit « Ah oh non, je sais pas c'est qui. » Mais vous étiez sur le même gala, puis il avait fait ce numéro-là. Ça m'avait déçu pas mal. Oh, ouais, ben non, c'est clair. Ça peut dire d'avoir une idée commune quand t'as déjà vu le numéro, est-ce-t-il? Ouais, ben parce que j'imagine pour des mimes, le truc du batteur, c'est peut-être une idée que t'as instinctivement. Mais là, de dire que tu l'as pas vu, puis là, ah non. Ça dépend de genre, je sais pas c'est qui, s'ils ont été sur le même gala, puis en plus, Courtemanche, dans ce temps-là, c'était quand même une grosse star, genre, internationale. Ouais. Fait que si en plus, t'es dans la même discipline, c'est sûr que tu sais c'est qui, à mon avis. Puis Mr. Bean, en plus, il a commencé à faire de la coke juste après ce gala-là, hein? Comme Michel. Je veux pas pointer... C'est mes cheveux blonds, il a fait un show d'impro. Ouais, puis après, il se bleach blond, ça serait tellement bizarre. Après ça, il était dans le show de Gary Richard, il va l'air défoncé sur le crack. Ah, oh, ça, c'est magique, là. C'est quand il se fait que t'as appris ça, là. Ouais, je sais, moi, j'étais comme, c'est magique. Puis de manière, je trouvais ça vraiment triste. Ouais, vraiment. Avez-vous déjà vu l'entrevue, puis c'est légendaire, là, de Serge Gainsbourg, c'est Adlib, et c'est Jean-Pierre Poilier qui le... Non, je peux pas vu ça. T'as jamais vu quelqu'un défoncer de même dans un show. Puis Jean-Pierre Poilier, là, moi, si j'étais prof de médias à l'université, je vous montrerais cette entrevue-là, parce qu'il a fait un travail incroyable. Tu sais, il était là. Ouais. Lui, il était là. Ah, tabarnak! Tabarnak! Il était tellement chaud, là. Puis Serge Gainsbourg a mené qu'il le ramène. Monsieur Gainsbourg, vous n'avez pas fait tout ce voyage-là pour nous dire ça. Vous avez écrit tellement des belles chansons. Puis, oh, man. Puis quand Gainsbourg, comment? Oui? Excuse-moi, quand il demande. Hey, c'est quoi? Vous rappelez-vous de la chanson sur laquelle vous êtes entré, là, que le Ben vous a joué? Puis il est comme. La Jenny. Non. Puis il commence à Jean-Pierre Collier commence à y chanter la toune, puis tout ça. Puis là, il est comme. Non, je sais pas c'est quoi. Il était juste ben trop chaud. Ah, oh, c'était. Ouais, c'était glorieux, ça. C'est beaucoup de jambon pour deux œufs. Oh oui! Ah, oh, mais cette phrase-là. Whitney Houston aussi, ça. Vous l'avez déjà vu avec Whitney Houston? Ça, c'était le « I want to fuck you ». Ouais. Il dit « Je voudrais bien la baiser ». Non, attends, il dit « I want to fuck her ». What? il says « You are beautiful », mais pas du tout, j'ai dit « Je voulais la baiser ». Ça marche pour le dictateur. Il dit que quelqu'un n'est pas baisable aussi. Il parle d'une comédienne qui a essayé de baiser, mais comme, ah, elle n'est pas baisable. L'ex de Johnny Depp. Vanessa Paradis, exactement. Oui. Non, immontable, hein, pas baisable.
Gainsbourg, il est magique pour ça. Il y a certains de ses classiques que j'aime bien écouter, mais j'écoute 100 fois plus ses entrevues. Là. Ses entrevues, il est beau à voir. Il sent Chris, il filme sa clope, ses doigts sont tous jaunes. Il tape par terre, quasiment c'est le bureau du dos de l'entrevue. Ah, putain de merde, il est défoncé. Quand ça y est, à Robert Charlebois maintenant. Pour vrai? C'est Robert Charlebois qui chantait « C'est pas physique, c'est électrique. » Puis là, le concept, c'est qu'il y avait un rasoir électrique qui se rasait en même temps. Puis là, Serge Gainsbourg était comme l'invité. Il dit « Hey Serge, t'as tu te rasé un peu? » « Tu me touches avec ça, t'es mort, connard. » Oh, wow! Robert Charlebois qui a tellement une face là, qui « Oh boy, bon, ça va pas en fait! » Il aurait mêlé un peu Charlebois. Oh, wow. Il y a eu des années, wild, lui aussi. Genre, Il n'y a pas, un spectacle qui s'en vient. Ben, pas qui s'en vient, qui, qui était là. Là c'était, Il roule encore, Charlebois Cup, pense. En Charlebois Cup, Je sais pas, je sais même pas c'est quoi, c'est quel média seulement. Ah oui, c'est bon. Je sais pas. Moi, je l'ai vu au Rockfest en show. Rockfest? Ouais, pour la Saint-Jean-Patrick, il avait fait un show Rockfest. Mes parents l'ont vu cet hiver, puis il dit, tu sais, il y a un certain âge, Robert Charlebois, je sais pas, il est 70 en montant. Il paraît que c'était hallucinant, là, qu'il avait de l'énergie pendant deux heures et demie, il a pas arrêté, il sautait partout, puis que c'était un des meilleurs spectacles qu'ils ont vu, en fait. J'avais été impressionné. Mais c'est ça, tu sais. Ah, vas-y. Non, ben, de le voir aller, tu sais, c'est. Ben, en plus, tu sais, souvent, on se dit, ah, c'est la musique que nos parents écoutent. Voyons que. Qu'est-ce que ça fait là, tu sais, puis Chris, ça fitait. On l'a connu pareil, mais, musique. Ouais, c'est clair. Il y a comme 30-40 ans d'expérience de stage, quand même. C'est comment manier une foule, comme une machine. Oui, il est vieux, mais avec l'adrénaline d'être là, il va le donner, le show. Si il a une culotte, il est capable de gérer. Là. Ça, c'est sûr et certain. J'aimerais ça voir Charlebois. Tu sais, genre, un défi là, qu'on lui lance, genre, chie-toi dans une culotte, puis je veux pas que ça apparaisse. Je te le jure, il va courir. Le pauvre homme, à ton âge. Patrick Bourgeois, il avait fait ça, hein? Hein? Patrick Bourgeois, Mané, il est dans un show, puis c'est extérieur, puis c'est dans un champ. Mais un champ, là, il n'y a pas de toilette, rien. Fait qu'il a vraiment envie, s'il file pas, là, tu sais, ça glougloute, ça foufroute. Puis il commence le show, puis à Mané, il saute, puis là, tout part. Avec des bottes de cow-boy, puis ses jeans sont dans ses bottes de cow-boy. Fait que tout le a tombé dans ses bottes. Fait qu'il a fait ses bottes étaient finies. Oh, mais c'est vrai, c'est quoi qui avait fait comment au UFC? Genre, mettons des fighters qui ont les mains, parce qu'ils rappent les mains avant, puis ils mettent, mettons, ces bandages comme des X pour dire qu'ils sont homologués, dans le fond, que c'est légal. Un coup que t'as ça, tu peux pas les enlever. Fait que le gars, il pogne une envie de chier, mais là, il peut pas. Fait que là, il s'en va se battre. Puis là, dans le cage, il mange un kick dans le ventre, puis il se chine une culotte. Puis... Oh non! C'est arrivé, là, des fois, tu le voyais clairement. Là, la fille, elle avait des shorts blancs. Tu vois qu'elle s'est chiée dessus, là. Ouais. J'imagine qu'elle rentre, chez lui le soir, puis comment ça a été? Oh, ta gueule! c'est clair! Hey, mais en plus, même l'autre, j'ai tué devant je sais pas combien de personnes en plus. Ben, ça, imagine t'es le main event pis ça t'arrive. Ah ouais, mais imagine même pour l'autre personne. Tu sais, mettons, il tombe à terre pis tu commences à faire du jou avec. Tu sais, t'es proche, là. Ça sent le style marde, là. On s'en fout. Ouais, c'est une bonne technique pour te sortir d'une soumission. Ouais. Jean-Pinev, t'as chié dessus durant une course. Il avait gagné la course pis il y avait quelqu'un qui avait dit aux nouvelles un héros. C'est un héros national. Non, mais il a fini la course, il était juste pressé d'aller chier, il a écrasé ça dans le tapis. Hey, petit stop parce que t'as envie de chier, là, c'est loser en maudit, là. Il a pas le choix de continuer, là. Ah ouais. Tu sais qu'un coup que t'as fini, là, tu vas sauter dans les airs et ton équipe va te prendre dans leurs bras comme si tu venais de gagner la Coupe Stanley, là. Oh! Okay, là.
Ouais, il commence à l'asperger de champagne. Puis, ouais. Ça comme une idée. Oui, beaucoup de champagne. Dans le bas du dos, surtout. Ça a l'air d'un gars d'appréciation. Vidéo champagne. Moi, j'imaginais juste, mettons, avant la course, il y a comme un buffet, puis un autre taco, mon Jacques. Je te préfère, ils sont tellement bons. Oh, ouais. Il y avait Plume qui avait chié on stage à un moment donné. Là. Il avait fait la chanson Jonquière à cause de ça pour s'excuser. Il avait fait un show cégep de Jonquière à la Saint-Jean, je pense, je suis pas sûr. Puis il était vraiment sous scrap, décalissé, genre plus capable de jouer, puis il râlait de la balle. Puis à un moment donné, il avait chié sa scène. Puis le lendemain, il s'est réveillé en disant « Ben non, je peux pas avoir fait ça, là. » Puis il a composé la chanson « Jonquière », genre « Sous comme une botte ». Ah, wow! Ça, okay, pour s'excuser de cet événement-là. Ouais. Oh, wow. Ouais, j'avais pas ça, ça. Wow! Il devrait faire un film. Il devrait faire un film excusé. Je pensais juste pour un héros national. Il devrait avoir une statue, quand on laisse une statue en ben, un moment donné, il va avoir un film sur Plume. Il faudrait qu'il meure, ouais, mais après ça... S'il y a eu un film sur Jerry, il va clairement en avoir un sur Plume. Qui pourrait le jouer, Plume? Plume. Oh, bonne question. Ça aurait pu être... comment ça s'appelle? Le genre de réalisateur qui est mort, là, mais... Robert Aubert. Ouais, ça pitrait. Un grand, ça prend quelqu'un qui louche un peu. Puis je le dis pas méchamment, là, mais Michel, il a des yeux un peu cross-eyed. Ça prend quelqu'un de super grand, puis un regard comme vraiment intense. Jean-Marie Corbeil? Maigre. Après Papa est un lutin. D'ailleurs, il joue live sur Internet en ce moment, Papa est devenu un lutin. Ah ouais, pour vrai. Ah, wow, la vraie version que tu vois le pénis du bébé ou c'est la version cinéma? Je me suis pas attardé. Il y a des questions que t'oses pas demander, hein? J'ai réalisé une seconde après. Je l'ai pas vu, mais Tommy Gunn nous a dit que c'était pas un... Parce que lui, un système de rating, dans le fond, avec les films dans le négatif ou dans le positif. Puis lui, il disait que c'était comme pas... mauvais, divertissant, c'était tout. Tu trouvais-tu que c'était drôle, genre, ou c'était juste comme long à écouter? Moi? Ouais, j'ai eu le lien de ce film-là assez rapidement parce qu'il était tout le monde pouvait l'écouter gratuitement avant que Guzzo l'achète. Ouais, ouais. Puis mon gérant de l'époque l'avait comme. Il l'avait downloadé et me l'avait envoyé. Fait que je l'ai comme écouté avant le buzz de Guzzo. Et j'ai comme commencé à 4h du matin parce que je faisais ça de l'insomnie, puis je disais, bon, à 4h du matin, je ne le finirai pas. Chris, je l'ai fini, puis à 8h, j'ai appelé Julien Bernatchez, j'ai dit, bon, viens chez vous, là, on écoute de quoi. Ah, alors, t'as eu? On wow. écoute de quoi. C'est que deux fois dans le jeu. Ouais. Ah, ouais. C'est un film, cependant, qu'il faut. Tu sais, moi, je trouve que c'est plus pathétique qu'un film comme French Immersion, qui ont des millions de dollars pour faire un film, qui ne sont pas capables d'en faire un, que lui, bon, ben, tu sais, c'est clairement un projet pratiquement étudiant. Tu sais, c'est. Ouais. C'est moins marquant, mais c'est vraiment, vraiment mauvais. Puis moi, j'en ai parlé souvent avec Jean-Marc Corbeil, puis man, il a tellement pris ça de la meilleure manière au monde. Il est chill avec ça, là. Ah, ouais. Ah, bon, tant mieux. Il est dans le film, là, il est là. La style marde, penses-tu que je le ferais pas sur le plateau? C'est clair. En plus, les directions qu'il voulait donner, ça a l'air que dans le film, t'as comme deux fois la même scène. Il a gardé comme les deux cuts, pas les deux cuts, mais les deux... Tu sais, il a repris une scène, dans le fond, puis il a gardé les deux moments dans la scène, genre. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup. Tu sais, premièrement, le son est épouvantable. Les plans sont pratiquement tous fixes parce que, bon, ben, on met la caméra là, puis allez, faites des niaiseries, tu sais, puis. Ouais. Puis le film, il aurait pu avoir une morale, puis il n'y en a pas. Oh, wow. J'ai eu la chance de le voir, mais j'aimerais vraiment ça. Ben là, moi, je pense qu'à partir de ce soir, ça va être très facile de le trouver. C'est sûr qu'il y a plein de monde qui le capture en ce moment. Là. Ouais. Ouais. Parce qu'il est introuvable, là. Il a été introuvable tellement longtemps que c'est clair que le monde va en profiter. Là. Ouais, est-ce qu'il le diffuse, c'est la maison de production ou c'est. Ben, c'est le réalisateur lui-même, donc la maison de production. Qui est sûrement lui-même la maison de production, je sais pas, là, c'est Dominique Adams. Il s'aime beaucoup. Il s'aime beaucoup. C'est comme un ego. C'est vraiment. Ça ressemble beaucoup à Tommy Wiseau de Room. Là. C'est vraiment le même genre d'ego qui n'est pas capable de reconnaître que le film, c'est pas un bon film. Puis, Mais, ouais.
Ouais, Tommy Wiseau, genre, il a essayé, on dirait, de voler. Tu sais, il y a James Franco qui l'avait fait monter au Golden Globe, genre, on dirait qu'il essaie quasiment de voler le spot à James Franco. Oui! Parce qu'il remontera pas là, lui-là. Ben non, c'est non, sûr. Non. Il a fait d'autres films, en plus, Tommy Wiseau. J'avais vu sur IMDb, il y avait comme, ouais. Je sais pas, genre, comme 4-5 films quasiment, hein, genre. Oh, je les ai pas tous vus. Mais je sais comment il était de la marde avec le monde rendu au cinquième. Quand, ouais. Tu sais, quand le premier a comme. Tu sais, ben, non, pas tant. Non, c'est à l'époque, il n'a pas marché tant que ça. Donc, j'ai rien dit. Je veux rien dire pour toi. Je pense que c'était tardif pour des mauvaises raisons. Ouais. Ouais. Comme Austin Power 1. Ah ouais, le premier, hey, je l'ai écouté la semaine passée, ça, pour la première fois. Ouais. Mais là, tu joues sur une corde sensible, par exemple. J'ai adoré ça. Mais moi, j'écoutais ça enfant. Puis ça me faisait rire enfant, veux pas. Mais même adulte, maintenant, on dirait que je l'écoutais batté avec des amis dans mon adolescence. Fait maintenant, il y a juste des moments qui me font rire parce que je les ai ri dans le temps. Mais je trouve que ça a bien vieilli. Moi, Austin Powers, je le défends pareil. Là. Chris, le ouais. C'est 5 qui essaie de se revirer genre en deux mois. Ouais. Mais ouais, Chris. Ouais. C'est malade, c'est 5. Moi, c'est les gags faciles aussi que tu fais. Je sais pas pourquoi ça me fait rire, c'est tellement facile, mais fuck, ça me fait rire. À un moment donné, le personnage de Vanessa, sans toi pas concerné, Vanessa. La robette? Mais dans le 2, c'est la robette. La chambre, ouais. Ouais, c'est vrai, qu'excuse. Puis elle arrive, puis là, lui, il vient de se faire décongeler. Puis là, il fait « Oh, cette Vanessa est sacrément bien roulée. Elle est bien baisée. » Comment lui expliquer que le système de décongélation fait en sorte que je réfléchis à voix haute? Ah oui! Qui pense de même, je te parie qu'elle aime ça se faire baiser. C'est pas le ça, je trouve drôle, c'est la scène de but, la scène de Black. Genre, il joue Blackjack contre un gars, genre, qui voit à travers les cartes. Le gars est comme. Non, oui! Moi, c'est Johnny Yang. C'est pas Johnny Yang. Non, excuse-moi. Je pensais que c'était Johnny Yang. Excuse-moi. Non, c'est pas ça. Oui. Genre, t'es comme, il joue au Blackjack, puis à la même table, t'as le gars numéro 2 qui voit à travers les cartes. Le gars, il est comme 19. Il prend une carte parce qu'il voit que c'est un 2 puis qu'il va avoir 21. Le gars, ça va, il fait j'aime vivre dangereusement, puis il le regarde. Puis là, oui, oui. Quand ce power, il y a 5, il fait j'arrête. Vous arrêtez à 7. Après, c'est moi 7. Il est comme moi aussi, j'aime vivre dangereusement. Mon nom est Richard Cunningham et voici ma femme. Oprah. Qui contrôle le numéro 2? C'est ça, mon gars. Allez, montre-lui, c'est qui mène. Ça fait juste que la maison vire un 10, puis comme 17, 5, père. Puis il remonte tout de suite. Oui, oui. Ah oui, c'était bout là, ça me fait rire en tabarnak, ça. Ah oui, c'est bon. Je trouvais ça drôle cette semaine parce que, tu sais, je pense que c'est dans le premier qu'il demande une rançon au début, puis il pense demander un assez gros montant, puis c'est quelque chose comme 15 millions. Là, il débloquait 2000 milliards aux States pour la pandémie, puis oui. La médecine. C'est tellement démentiel comparé aux chiffres de l'époque. Là, tu sais, son petit 15 millions de morts. Il y a le dessus sur tout le monde, hein, 15 millions morts. Ouais. Ouais. Liberace était gay! Mais les femmes adorent ce type! Dans le 2, il y a une cafetière, plus un autre qui est de marge. Avec la marde, puis il prend la marde. Ce café a une odeur de merde. Mais c'est de la merde aussi. Ah, je suis pas le seul! C'est un peu granuleux. Hein. Une des scènes, moi, qui me fait bien rire, c'est dans le 3. Quand Ventripotent, qui à la fin, quand il est en sumo, il y a comme un esti de monologue triste puis émouvant. Puis il finit ça avec un petit pet de genre. Bah, je croyais que ça rajoute un petit peu. J'ai du progrès à faire. Je pense que c'est ça qu'il dit. Mais c'est la fin du tour, ça. C'est la fin du 2? C'est au début du 3, je pense. Il devient tout maigre, puis il y a de la peau qui pend. Oh, ouais. J'ai le cou qui a l'air d'un gros vagin. Ouais, c'est ça. Au début du 2, il était bien en sumo, puis il y a une scène que genre le monde, tu vois, il tire pour que le monde vole dans les airs, tu sais, des cartes. Mais c'est dans le 3, ouais. Ça. C'est dans le Golden Moon. Ouais, c'est dans le 3, ça. Mais c'est vrai, tu as aussi des mauvais films, mettons, qui étaient mauvais à l'époque, puis avec le temps, ils sont encore plus mauvais. Je m'explique, mettons.
dans Jack and Jill avec Adam Sandler. Oh. Mm-hmm, ouais. Et déjà, son pire calice de film. Puis moi, j'aime Adam Sandler. Puis il venait de faire un de ses meilleurs, qui était Funny People. Ouais. C'était un petit peu une réflexion sur sa carrière ratée au cinéma. Tout. Fait que là, tu fais, OK, il a pris conscience. Puis il va. Après ça, il sort Jack and Jill. Puis en plus, il y a le gars de Subway. Là. Jared. Jared. Jared qui est dedans. Tu écris ça. Ah oui! Ah, c'est vrai, j'ai oublié ça. J'ai jamais osé l'écouter. J'étais arrivé de m'aller chez des amis, l'écouter. J'ai fait, qu'est-ce que vous calissez à écouter Jack and Jill? Une fois à un moment donné. Excuse, continue. Non, non, c'était pas mal tout. Là. Juste, genre, t'as eu besoin d'avoir vu l'annonce pour te rendre compte que c'est une mauvaise idée, mais. Ouais. Je comprends pas ça. Tu sais, juste en, dernièrement avec Uncut Gem. Oui, c'est incroyable comme film. C'est incroyable, bon. Il est tellement. Puis lui, il est oscarisable là-dedans. Là. Je comprends pas comment ça, qu'il en fait pas plus de ça. C'est beaucoup plus valorisant que Ridiculous 6 ou. Je pense que c'est parce qu'il y a du gros fun à le faire. Probablement, c'est Adam Sandler, il peut juste triper. Ouais, j'ai l'impression, en tout cas. Là. Mais ouais, ben, sûrement, ouais. Mais j'aimerais pas détester l'autre avant. Qu'est-ce que je faisais, Alex? Ah, j'ai juste dit qu'il est avec sa petite gang puis il se fait du fun. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais ça. J'avais vu une entrevue à un moment donné que Adam Sandler, ben c'était plus lire une entrevue qu'en voir une. Mais il disait que souvent il c'était ses tournages en même temps que ses vacances dans un sens. Parce qu'il se disait juste comme ok, je pogne mes chums, on va aller quelque part, triper. Toi, tu vas jouer un tapon qui pleure quand il est éternue. Toi, tu vas jouer quelqu'un qui mange trop de jambon. Ça, puis on peut triper là. On va mettre Nick Swartzen qui a peur du soleil. Nick Swartzen, il demande juste de brailler. Peu importe le rôle, fait juste pleurer fort. Ouais, fait juste avoir peur puis avoir l'air nerd. Ouais. Et, monsieur, quand j'avais écouté Grown Ups 2 avec Julien parce qu'on avait. Il y avait quelqu'un qui nous avait dit, vous allez voir, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien qui se passe. C'est, on va faire une espèce de Days and Confused, mais t'es pas Richard Linklater qui veut. Là, c'est comme un party costumé, puis t'as Adam Sandler qui arrive juste avec un chandail blanc, un jeans, puis une casquette à l'envers. Fait que tu sais, sa blonde, il dit, t'es pas déguisé? Ben oui, je suis en Bruce Springsteen. Puis c'est là que Julien, il dit, ça, c'est sûr, c'est du linge à lui, là. C'est la meilleure remarque. Ouais. Pourquoi si le premier était mauvais, le 2 est encore pire? Pourrait, il y avait une scène, j'ai trouvé genre, c'était même pas vraiment drôle. Ben, un peu, genre, tu voyais comme le sty, tu sais, ils font comme la tyrolienne pis tout. Là, tu vois juste le sty, genre, le gars qui était avec son ami qui était épais, pis il est comme genre, il veut descendre avec la tête en bas, pis il fait, Chris, sinon c'est dangereux, pis là, tu sais, t'es un animal! Comme si le gars était rendu à 40, mais il écoutait encore, ouais. Genre, ses esti de call du secondaire de tapette! Ouais. Une comédie grand public. Pis le premier était quand même vraiment bon, là. T'as pas si pire, je l'avais pas détesté. J'ai entendu beaucoup de bien sur le film, mais je l'ai jamais vu, mais. Mais t'es des gars de même là, que t'es capable de les manipuler juste sur leur orgueil. Là. Ouais. D'autres, on en avait connu un année, Julien, puis moi. Il était à peu près minuit et demi, puis c'était son coloc. Tu sais, on est fatigué, puis tout. Puis là, il rentre dans le salon, puis je sais pas pourquoi. Je regarde Julien, je fais. Puis on s'en était pas parlé avant, rien. Là. Je regarde Julien. Julien, moi, je pense que je suis capable de faire 5 push-ups. Ah ouais, tu penses ça, toi? Fait que là, je commence à faire 2-3 push-ups. Je suis capable. Ben ouais, alors, moi, je suis capable. On s'est pas parlé partout. C'est le gars qui commence, il en fait juste 3. Puis là, son coloc qui arrive, ben moi, je suis capable d'en faire 5. Puis là, il faisait des push-ups, il était minuit et demi dans le salon. Puis on l'encourageait, il en a fait 20, puis on était là. Ouais, vas-y. Est-ce que vous aviez un regard complice pendant que ça arrivait? Parce que la main, il vous voit pas, là, vu qu'il regarde. Oh, oui, bah ben oui. Ouais. Il va peut-être écouter ça, là, mais c'est juste une petite taquinerie. Là. Oh, c'est drôle. C'est drôle que vous connaissiez un point que vous n'avez même pas besoin de rien vous dire, ça peut juste arriver. Oui, c'est le fun, ça. Ouais, avec Max, ça fait ça aussi sur scène. Juste un regard, on sait. Mettons, à un moment donné, il est supposé avoir mon portefeuille dans ses bobettes. Puis il avait tombé. Il m'avait juste regardé, puis j'avais compris qu'il n'était plus là, genre. Fait que j'avais autre chose, là. Mais ouais, oui, oui. Tu dois être énervé un petit peu, ça, quand ça arrive, j'imagine. Ah, c'est cool. Ouais, mais tu sais, ça va arriver, là. On sait que ça va arriver. Tu sais, des assises publiques qui veulent rien savoir, là. Tu sais, on est arrivé à Mané dans une tournée de la Gaspésie. On était, on tient plus, on était où. Mais là, on fait le machin pervers, puis il y a plein d'enfants dans la salle.
Oh non! On leur dit que les autres, c'est rock'n'roll. Oh, c'est pas grave, ils ont leur tablette, ils écoutent même pas le spectacle. Tout le monde nous a répondu ça. Puis le gars qui animait la soirée, Frank Granny, nous dit là, vous allez voir, il n'y a personne qui rit ça. Il n'y a personne qui rit. Quand vous avez votre numéro, puis vous partez, inquiétez-vous pas, tout le monde va te payer, personne ne rit. Ça fait trois ans que j'anime ici, personne ne rit. Fait que la petite grosse tête, puis les enfants qui applaudissaient de même, puis c'était Maxime en bas, qui fait fouetter. Es-tu des kids en faisant seulement des crossés, là? Mais non, mais... Est-ce-tu, il devait faire attention à qui il pointait, là, j'imagine, Ouais, tu veux pas te rendre dans une situation, alors toi, Tibi, t'aimes bien bander, bien moi aussi. On t'en souffle chaud, Timmy. Regarde, vous avez une énergie bien sexuelle. Oh my god, ce serait tellement. Bon, on s'est fait pogner dernièrement dans un cégep. On s'en va jouer dans un cégep, mais le soir, puis on demande à l'organisateur, c'est-tu juste des cégepiens? Il dit non, n'importe qui de la ville peut venir là. OK. Fait qu'il dit non, vous pouvez faire le machin pervers. OK, on arrive là, c'est juste. Tu sais, des premières années du cégep, là? 17, 18, si on est chanceux. Puis là, Max est pogné pour pointer des jeunes filles puis des jeunes gars. Oh. Puis il a 35 ans. On a 15 ans de différence. Oh! T'as quasiment pas chaud de pointer les gars, rendu là, I guess. Ben oui, on pointe les gars, puis on disons qu'on a demandé de se faire poster le chèque. On est parti rapidement. Non, c'est clair. Ah, ça doit être chiant. Mais je pense que Philippe, Phil et Vanessa, vous aviez des chroniques. Oui, absolument. Ben, si ça ne te dérange pas, Vanessa, si je peux commencer, vite, ah oui, parce que moi, c'est comme un peu une mise en une introduction. C'est une chronique super courte, by the way. Là. C'est comme 30 secondes à peu près. C'est vraiment pas long. En fait, c'est juste pour nous mettre en contexte là, sur l'invité qui est Dom, qu'on a avec nous aujourd'hui. Fait que j'ai décidé de faire une petite biographie. Puis voici ce que j'ai trouvé sur toi sur Internet, Dom. Donc, voilà. Et sur Internet, il faut en prendre puis en laisser. Hein. Des fois, c'est... On va prendre tes numéros d'humour, puis on va laisser quand t'as été, genre, c'est pas en date avec mon ex, mais c'est l'autre affaire qu'il fallait que la fille trouve le célibataire. Ah ouais, c'était, comment tu t'appelais? C'est, en couple avec mon ex, c'est Vanessa. Avec mon ex. Ouais, moi, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais je voulais pas le faire, ça, j'étais obligé, mais en tout cas, bref. Ouais, non, je comprends. Ben, ici, on avait des pics, justement, que t'envoyais à Vanessa back in the days, on voyait, tu peux les suivre. OK, donc, ce que j'ai trouvé sur Internet, donc, Dom, ceci est en quelque sorte ta vie, OK? Donc, Dom Massé est né le 2 novembre 1984 dans la ville de Valleyfield, à l'ouest de Montréal. Il devient, dès son jeune âge, passionné de cinéma et fait souvent des escapades vers le club Vidéotron de sa ville. À l'âge de 10 ans, ses deux parents sont abattus froidement devant ses yeux par un voleur. Ensuite, il passe le restant de son enfance sous la tutelle de son majordome dans le manoir familial. Pour jongler avec cette épreuve tragique dans sa vie, Dom s'invente un personnage de justicier et commence à porter du cuir. Et là, c'est important de noter qu'au cours de sa carrière de justicier, il incorpore des mamelons à son costume, mais les enlève par la suite parce que c'était, et je cite, « calissement distrayant ». il fait également partie du groupe d'humour « Les Picbois ». Fin. Donc, merci. La semaine prochaine, à l'émission, on fait la biographie de Marc Boilard. Oh! Mais. Merci. Je dis ça de même. C'est le pingouin. Voilà. Mais c'était pas Batman? Comment? C'était-tu Batman? D'après toi. Peut-être. Non, c'était moi. Pris la main dans le sac qui monte sa barnaque, hein? Je suis un super vilain. Voulez-vous voir mon masque de super vilain? Ouais. Vas-y. OK, attendez. Ah, c'est pas le pirate. Oh! On dirait un peu Jason. C'est Jason Disco, en fait. C'est Jason Hicks dans l'espace. Oh, Jason Lewis! Asti, je l'avais vu au cinéma, c'était quand on lit ce film-là, il n'y avait personne dans la salle. Hey, j'ai le temps d'une anecdote sur Jason X. Ben oui. Jason X, il sort genre en mai. Je suis en secondaire 5. C'est les séries du Canadien, OK? Puis dans la grande salle commune, là, Valleyfield, c'est une ville très sportive.
Puis nous autres, on était les focards quand on n'était pas sportifs. T'sais. On aimait le cinéma, on aimait l'humour, on aimait le théâtre, on aimait le lire. Et on était comme la musique aussi. Puis on était comme genre les punks de Valleyfield alors qu'on n'était pas tant punk que ça. Puis là, tout le monde mettait des posters canadiens dans la salle commune. Puis c'était correct, tout le monde, ça c'était toléré. Puis nous autres, à la place, vu qu'on s'en collissait du hockey, on avait mis un poster de Jason X. Là, le midi arrive, on arrive. Le poster dans les poubelles. Ben, voyons donc, tabarnak, c'est qui a crissé ça dans les poubelles? Je le reprends, je l'installe. À la fin de la journée, le poster est déchiré dans la poubelle. Ben, voyons donc, c'est qui fait ça? Mais moi, si je travaillais au cinéma. Fait que j'avais accès à plein de posters de Jason X. J'en ai pas mis une dizaine. On a comme appris que c'était la directrice qui nous aimait vraiment, vraiment pas. qui nous aimait pas parce qu'on était les weirdos de l'école, puis était une crise de conne. Puis c'est elle qui les enlevait. À un moment donné, j'ai dit, Chris, pourquoi nous autres, on n'a pas le droit d'afficher Jason X? Puis tout le monde affiche le Canadien parce que le monde aime ça, le Canadien. Ou personne connaît votre cochonnerie. Personne connaît 20 posters de Jason X au cinéma, il n'y a personne qui les voulait, ces posters-là. Fait qu'à chaque fois qu'on en enlevait un, puis il déchirait, il y en avait un autre qui revenait. Il y en avait un autre qui revenait. Manax a écœuré à l'autre épu. Mais là, c'était en fait, c'était le mal définissant qui arrivait. Puis il y avait une grosse banderole qui était installée dans notre coin, là, dans notre spot. La dernière danse ne meurt jamais. Nous autres, ils avaient installé ça pour qu'on mette un autre poster de Jason. Fait que là, la dernière danse ne meurt jamais. On avait mis un poster à côté Jason non plus. Justement, le switcher par la chronique de Vanessa, je me demandais, ce serait quoi, mettons, ton préféré des Vendredis 13? Ah, c'est le 2, je pense. Le 2? Ouais, il y a de quoi dans le 2 que j'aime beaucoup, que ce soit lui avec un masque de jute, qu'il y a un petit intro un peu à la psychose, que l'héroïne, elle se fait tuer dès le début. C'est sûrement ça qui a inspiré Scream. Puis, tu sais, l'image est sale, là. Tu sais, l'image est crasseuse. Je sais pas, je trouve ça cool. Je pense que c'est dans lui aussi qu'il y a un handicapé qui se fait tuer. J'avais trouvé ça au casque. C'est du sûr. Ouais, oui. Les kills sont bons, puis la fin est bonne. Là, que... C'est vrai que la pochette, c'est comme, mettons, une espèce de drap avec qui se fait poignarder, mettons. Là. Genre, tu sais, mettons, qui en arrière d'un drap qui poignarde. Non, ça, je pense que c'est le 3D. Ok, ok. Ouais. Ouais. Fait que non, lui, la pochette, c'est. Le 3D. Attends, le 3D. Ouais, c'est vrai. C'est le 3D. T'as l'impression de te faire poignarder. Ouais, mais. Vas-y. C'était comme un des premiers films 3D qui sortait, je pense, celle-là. Une nouvelle vague de films 3D, ouais. Puis t'as comme. Quand t'as jeté, moi j'ai acheté comme un coffret avec plein de Jason, là, ben, plein de Vendredi 13, puis t'as les lunettes rouges et bleues. Oui. Ben, quand on louait. Quand dans mon salon. Plus jeune, on l'avait loué au Vidéotron, moi puis Marco, parce que moi puis Marco, on est frères, là, by the way. On louait ensemble des films, puis tout ça. Puis maintenant, on avait pogné ce film-là, puis je me rappelle des lunettes qui venaient avec, parce que moi, je capotais qu'il y avait des lunettes 3D dans une boîte de Vidéotron, tu sais, puis qu'on puisse les utiliser. Ouais, à l'époque, il y avait eu Jaws 3D. Il y avait aussi The Death of Freddy. Qui était en 3D et que j'ai vu en 3D au cinéma parce qu'il avait passé à la cinémathèque dans le temps de l'Halloween. Puis ça marche pas. Ça marche pas, c'est à la fin. C'est seulement les 10 dernières minutes qui sont en 3D. Puis ils disent mettez-vous lunettes. Ça, c'était le. De... Mais voyons mettons, donc. C'était le 5, mettons, là. Genre, c'était. Pas le 6. Le 6, ouais, c'est ça. C'était comme le dernier avant, mettons, qu'il en refasse. C'était avant Freddy contre Jason, mettons, genre. C'est avant Freddy vs. Jason, il y avait eu The New Nightmare. Mais okay, ouais, c'est là, je me trompe. Freddy vs. Jason, il avait été annoncé dans le dernier Jason. Parce que Jason mourait, puis il y avait la main de Freddy qui venait pogner son masque, puis l'emmenait dans l'enfer. Oui, c'est une petite quoi en Christ, ça. Oui. Non, c'était bon, Freddy contre Jason, je trouvais. Ouais, j'avais aimé ça. Mais moi, c'est le premier que j'ai vu de toute cette patente-là. Puis j'étais quand même jeune, je devais avoir 12 ans. Puis après ça, mettons de 13 à 14 ans, je me suis tout tapé, toutes les Freddy, toutes les Jason. Puis je trouvais que ça avait, à l'époque, tu sais, j'étais quand même jeune, j'ai un gros trip de films d'horreur là-dessus. Puis je trouvais que ça avait quand même bien vieilli. Malgré tout, tu vois que c'est vieux jeu un peu, mais je trouvais que c'était des bons films. C'était des bons films d'épouvante plus que d'horreur, mettons. Mais tu sais, c'est vintage. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas reproduire aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde qui essaye de le reproduire et qui ne sont pas capables. Mais moi, je me souviens quand on avait été voir Freddy vs. Jason, j'étais au cégep. Puis l'oncle, la Maxime, il était dans la salle, mais c'était juste des jeunes.
des jeunes, mettons, de secondaire 4 à cégep. Puis t'avais l'oncle à Maxime, qui a comme genre 45 ans, il s'appelle Pops. Un grand mince, il manque quelques dents. Il est super drôle, il est super vite. Puis là, la scène, le film commence, c'est une fille qui s'en va nager, puis là, l'autre, sa blouse. Puis là, elle est topless. Puis t'entends juste son oncle qui fait « Des boules à 5000. » Tous ces gens-là sont incroyables. Ils ont un t-shirt d'ACDC. J'ai pas hâte que ces personnes-là disparaissent lentement. Je sais pas pourquoi. On dirait qu'à petite dose, il n'y a rien de plus drôle que ça. Une personne super awkward. Mais il va en avoir d'autres. Deviens ces personnes que tu veux sauver. Je vais devenir cette personne-là. C'est ce que je vais faire. Merci, merci Jeff. Je veux clairement. Je pense que. Mais Pops, c'est juste ça des. Oh, excuse-moi, Marco. Non, vas-y. Ah non, mais c'est juste que Pops, il y a juste ça des astuces de phrases cultes. Genre. Dans le cégep de Valleyfield, y en a-tu qui vont là? Ouais. Alors moi, je vais jamais rentrer là-dedans. Ben, sauf une fois à Montagrosse. Le monde s'en sortait des classes, ça capotait, si. Oh, wow. Ok, je pense qu'on continue avec la. C'est quoi la phrase? Attends, Marco. C'était quoi la phrase? Je pense que tu l'as dit, Dom, au podcast de Jer Alain, mais que tu étais au cinéma et que tu as juste dit ça, c'est du cuir. Ah, oh, c'est la fin de. Excusez-moi, j'aime tout, mais c'est pas. Comme non, pas de problème. On n'a pas peur. Mais c'est. À la fin de Cloverfield, il y a un accident d'hélicoptère et le plan reste fixe sur le banc de l'hélicoptère qui est maintenant écrasé. Et là, il y a un long silence et personne qui parle dans le cinéma. Puis à un moment donné, tu m'entends juste. C'est du cuir, ça. Tu sais que ça me fait rire. C'est pas mal, c'est pas de rester pince en rire et de pas rire dans la salle, genre. De, comme juste assumer à fond puis de jouer, genre. Oui. C'est du cuir. C'est sûr que oui. Oh, c'est drôle, la gueule. Ouais. Tu peux y aller, Marco. Ah, on va continuer avec la chronique à Vanessa. Hey, yes. On sent crise de ma chronique, Marco. J'aime mieux qu'on parle de cinéma tant que ça. Meilleur début de chronique. Non, vas-y. Non, mais je serais curieuse de savoir c'est quoi votre film préféré, apocalyptique ou de zombies, ou tu sais, qui a un contexte avec la situation qu'on vit. Si c'est plus anxiogène de le regarder, ou si au contraire, ça peut nous aider à nous minder. Moi, définitivement, sur les traces du Père Noël 2. Non, c'est vrai. Parce que au Pôle Nord, ça va mal en maudit, là. Le côte. Non, mais dans le Pôle Nord, ça va mal en maudit dans ce film-là. Qu'est-ce qui se passe? Je m'en rappelle pas. Mais il y a de la misère avec son fils. Son fils devient. Il tombe sur la liste des mauvais. Oui, des mauvais garçons, c'est ça. Oh, ouais, c'est vrai. Oh, oui, je m'en rappelle de ça. Ouais. Oh, wow. Je m'en rappelle, je l'ai vu l'année passée. Oui. C'est quoi, vous autres, votre meilleur film d'apocalypse? Je peux commencer En ce moment, je suis en train de j'ai recommencé à écouter Walking Dead parce que ma blonde elle l'avait pas écouté. Puis je trouve ça fucking drôle parce que là on est rendu à saison 4. Puis c'est fucking drôle parce que là ils sont comme dans la prison là, dans la série. Puis ils mettent tout du monde en quarantaine à cause d'une grippe. Ah ouais? Ah, oh, shit! Puis là, ma blonde est comme, ouais, hein, c'est pas mal, qu'est-ce qu'on est en train de vivre, là? Ouais. Oh non, esti. Est-ce que vous êtes capable. Excuse-moi, je vais pas changer de question. Vas-y. Non, je changerai pas de question. Alors, on s'en crie, son jase. Okay. Mais moi, c'est pas, je voulais pas m'imposer. Non, mais là, je m'en fous, là. Chris, c'était quoi déjà la question? Moi, je trouve que là, tu t'imposes un peu trop. Oui, je le sais! Mais un film de. Tu t'imposes trop, Philippe, là. Shaun of the Dead, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, ça, j'allais dire. Ah oui! Oh my god. Déjà, ça, Shaun of the Dead? C'est une comédie de zombie, mettons. Ouais, c'est ça. Mais il se passe quoi? Genre un bref résumé. Ben, c'est un film anglais, dans le fond. C'est genre, t'as comme une invasion de zombies, mais c'est une comédie, dans le fond. Mais c'est comédie, genre, plus de situation, si on veut. Genre, t'as pas vraiment de gag en tant que tel. T'as comme des situations qui sont drôles, mais les moments de violence sont vraiment violents. Fait que ça vient clasher, genre. Fait qu'il y a de quoi d'intéressant pareil. Mais tu vois que.
t'as moins bien vieilli, mettons, que Hot Fuzz, que j'ai écouté dernièrement avec ma blonde, genre, que tu vois qu'il y avait plus de budget pour faire, genre. Hey, Hot Fuzz, c'est drôle en tabarouette. Moi, c'est... Ouais. Moi, Edgar Wright, point, là. Edgar Wright, je le trouve génial. Ah, Hot Fuzz, là, moi, le fait que le meurtrier se présente comme la première fois qu'il voit le policier, il fait « Arrêtez-moi! » Oui, arrêtez-moi! Ouais. Ouais. Ça, il les prie, puis tous les trucs qui arrivent, il dit « On devrait lui... » couper la tête! Ou un il y a un gars qui sa maison pogne en feu puis meurt dedans. Puis il passe sur la scène du crime après avec la chanson Fire, destroy all the things. C'est tout évident que c'est lui, ce sera pas lui. C'est lui. Puis un monsieur qui capote sur le gars en or, qui est comme juste comme une statue en or. Puis il y a toutes les fois qu'il parle, il est tout en train de chioler sur l'autre style de monsieur qui veut juste ramasser de l'argent en divertissant. Ouais. C'est un bon gars. Bon, Nick Cross, puis. Voyons, j'ai un blend de son nom. Simon Pegg. Ouais. Oh, ils là, il mange l'église miniature dans la gorge. Puis là, ouais. Il dit ah, je veux manger de la crème glacée. Mais c'est quand justement, le petit clash de genre, tu sais, maintenant il se passe des trucs, c'est un peu drôle. Puis là, une manée, genre, tu vois comme le gars qui il veut aller parler au journaliste à côté de l'église, puis un pic du top de l'église qui tombe sur la tête, puis qui, genre, il défonce le crâne. Genre. Ah, ouais. C'est je pense que mon bout préféré, par exemple, des deux films confondus ensemble, c'est probablement dans Shaun of the Dead, quand ils sont dans le bar, ils sont en train de jouer au billard, puis tout ça, puis il y a un zombie qui rentre, puis ils commencent à le battre sur le beat de Don't Stop Me Now, de Queen, puis ils sont dans « Cause I'm having a good time, having a good time ». C'est tellement, là, j'aime tellement cette scène-là. Là. Où le plan, il y a comme une clôture qui sépare, ils sont comme dans un terrain privé, il y a une clôture en bois. Puis ils savent que le pub, c'est qu'ils veulent aller se cacher. Il est juste l'autre bord de la rue. Fait que là, t'as Simon Pegg, je vais regarder s'il y a quelqu'un de bon. Fait que là, il y a une petite glissade là, pour enfants. Puis le plan est stable, tu vois juste monter. Tout, 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 tout. Et plein de zombies. Le timing, ouais, le timing est tout le temps super réussi. Ah, ouais. Ouais. Le zombie préféré, je pense, ce serait Dawn of the Dead. J'ai trouvé vraiment, vraiment bon. C'est là 2004. Là. Voyons si le réalisateur, c'est le gars de. Hein? C'est Spiro qui faisait ça là? De 2004? Je sais pas, peut-être. Non, de 2004, c'est le réalisateur de Superman vs. Batman, puis de Man of Steel, puis de Watchmen. Zack Snyder. Ok, ok, je peux. C'est comme le film qui l'a fait un petit peu. Après ça, il a fait 300. Puis là, c'est comme... Ouais, mais même 300, c'était fucking bon aussi. Ah ouais. 300, c'était solide en astuce. Ouais, j'ai... ça, j'ai pas vu ça. Je connaissais un dude que je suis allé. Ben, je l'ai connu au secondaire, mais il était pas au secondaire avec moi, mais qui était cascadeur pour le film 300. Ouais, c'était tourné à Montréal, ouais, c'était un studio Mets. Ah, wow, ok. Ok. Sinon, moi, un film que je pourrais proposer peut-être, c'est Army of Darkness. Moi, j'avais bien aimé, j'avais bien aimé ça personnellement. Mais honnêtement, je ne l'ai pas vu comme tout au complet, mais je suis sûr que certains d'entre vous l'ont peut-être vu là, au complet. Ouais, ouais. Tellement, j'ai vraiment aimé ça, tellement mais je pas d'importance ce que je dis là. À plusieurs fois. Ouais, non, mais il y a des bouts en particulier qui m'avaient marqué, mais, ouais, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas écouté au complet. Avez-vous vu ce film-là. Ash versus Evil Dead? Ouais, Evil Dead. Ah, j'ai pas écouté. J'allais écouter, mais pas au complet. J'ai pas écouté, mais. C'est vrai que la troisième saison est assez hallucinante. Là. Ah ouais? Ouais? Moi, j'écoute pas beaucoup de séries parce que ça prend trop de temps. Puis, ouais, tu vois, mes séries, je les écoute sur mon ordi. Puis, je travaille sur mon ordi. Fait que des fois, quand tu pognes une série qui te plaît, ben là, tu pars toute ta journée en écoutant la petite série. Tu travailles pas. Là. Fait que... Mais moi, ouais. La question, c'était comme un film sur une pandémie ou une fin du monde. Celui que j'aurais aimé réaliser, je pense, c'est à The World's End, d'Edgar Wright encore, qui fait partie de la Cornetto trilogie, qui, dans le fond, c'est comme un peu la trilogie, c'est Shaun of the Dead, Hot Fuzz, puis At the World's End. Un qui me plaît beaucoup aussi, c'est This is the End, réalisé par Seth Rogen. Ah ouais, il était dans les biens. Chris, ça fait deux fois que je me fais voler les biens. Ah oui, j'ai le troisième, ou tu veux le dire avant? Non, j'en ai un autre aussi en bac. Okay. Dernièrement, en 2011, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Contagion, qui est un film de Steven Soderbergh
Et l'auteur, je ne me souviens plus c'est qui l'auteur, mais je sais c'est qui, mais je ne me souviens pas de son nom. Casting. Ah oui, c'est mettons, Jude Law, Kate Winslet, Matt Damon. Gwyneth Paltrow. Je l'ai écouté au début de la pandémie, ça. Ça, c'est hot. C'est comme si c'était un genre de coronavirus, mais qui tue tout de suite, là. Ouais, puis mais quand le film est sorti en 2011, il y a eu des bonnes critiques, mais certaines critiques ont décrié « Ouais, mais maintenant, avec les systèmes de santé qu'on a, on ne vivra plus jamais ça, des pandémies de même. » Et le gars qui a écrit le film, il a passé 3 ans à consulter le plus grand pandémiste au monde. Puis, quand tu écoutes le film, c'est exactement ce qui se passe en ce moment, mais exactement, ça part de la Chine. À la fin, ça finit que c'est l'origine, c'est une chauve-souris. On a longtemps cru que c'était une chauve-souris ici. Ouais. Là, il y a le confinement, il y a la distanciation sociale. Ça prend 2 ans et demi avant que ça soit réglé. Mais tu vois tout ce qui... C'est un regard, là, que... c'est en 2011. Là. C'est exactement ce... quand tu allumes la télé, c'est à peu près ça. C'est sûr, comme tu disais, c'est la seule différence, c'est le virus tue tout de suite. Peu importe ta santé, ton âge, ta condition. Donc, mais c'est impressionnant ce travail-là. J'ai trouvé le réalisateur, c'est Steven Soderbergh. Ouais, mais c'est le nom de l'auteur que je cherchais. De l'auteur. Ouais. Attends, je dois le trouver. Mais qu'on s'est parlé. C'est hot parce qu'à la fin du film, tu vois vraiment comment la première contagion s'est faite. Il y a comme un petit wrap-up à la fin. Une souris qui croque dans le fruit, qui tombe, que le cochon le mange, que le cuisinier cuisine, qui met ses mains dedans. C'est plus long que ça, là, mais. Ah, mais ça fait peur. La fille qui veut se prendre en photo. Ouais. C'est Scott Z. Burns. Il a écrit un autre film qui est très bon, qui s'appelle, puis de Steven Soderbergh, qui s'appelle The Informant. Mais c'est un film très lent, très. Tu l'apprécies à la deuxième écoute, je vous dirais, le film, mais il est vraiment intéressant, puis c'est une histoire vraie. Donc, je vous conseille, mais c'est très lent. C'est pas une comédie, mais c'est pas lourd non plus, bref. C'est quoi le nom? The Informant. C'est avec Matt Damon. Ok. Moi, depuis que j'ai écouté Team America, chaque fois que j'entends Matt Damon. Matt Damon! Désolé. Le fait, c'est qu'il était supposé d'avoir il était supposé d'avoir des dialogues, Matt Damon. Il était pas comme ça. Puis c'est quand ils ont vu la marionnette, ils ont fait « Christ, il est trisomique, là. » C'est drôle. Ah, c'est sinon, moi, le film de pandémie qui me reste, ça serait... C'est un vieux film, quand même, que j'ai appris à l'aimer après plusieurs écoutes. Puis j'ai été obligé de lire le livre au cégep aussi, fait que j'ai plus catché. C'est le film The Road, ou La Route. Ah oui, c'est bon, ça. C'est vraiment pas une comédie. Il vient de le dire, qui l'a dit, Steve? Non, j'ai failli de le dire. Ouais. OK. Mais ouais, non, ça c'est vraiment plus post-apocalyptique comme film, mais c'est vraiment c'est l'histoire d'un papa pis son petit gars qui vivent là-dedans. C'est pis, Mel Gibson? Non, c'est pas Mel Gibson. Attends, je me rappelle pas c'est qui, mais de mémoire, c'est Liam Neeson, mais je suis pas sûr. Non, c'est Viggo Mortensen, le gars qui fait Aragorn Lord of the Rings. Ouais. Mais non, c'est prenant en Chris, c'est... T'es chamboulé quand tu finis le film. Tu sais pas ce qui est arrivé. Je sais pas si dans le livre, c'est expliqué. À la fin, non. Le film est assez exact par rapport au livre, sauf qu'il y a un petit peu plus de détails tout le long. OK. Environ. Hein. Mais le livre, tu sais, c'est... Moi, j'avais pas aimé lire ce livre-là au cégep, parce que puis on était vraiment obligé de le lire au complet, parce que le prof, il était vraiment bon pour mettre des cracks dans l'examen, parce que mais il y a des descriptions, il y a des fois des 3 pages pour te décrire leur carrosse pour rouler dedans, puis t'es comme ok, dis un carrosse plein, hein, mais en même temps quand tu l'as lu t'es comme genre oh shit là je comprends, puis c'est hot là, tu sais il y a des bouts que t'es comme assez chiant, mais en même temps pour les personnages qu'est-ce qu'ils vivent c'est chiant, fait que quand tu te transposes là-dedans, on dirait que il est vraiment bon pour t'amener à ressentir ce qu'eux ressentent sur le coup. Là. Puis après ça, le film, je l'ai aimé, mais ça m'a pris 2 shots pour l'écouter, pour bien l'absorber. Je sais pas, mais moi, je suis un genre d'autre qui écoute des films plein de fois, puis j'aime ça remarquer des détails. Comme Shutter Island, là, je trouve que j'ai trouvé
ma réponse finalement. Après 35 fois d'écoute, là je sais c'est quoi la fin. Je pense, puis je suis sûr que c'est plus que 35 fois que je l'ai écouté. Là. Mais là, j'ai ma réponse finale. Mais... Okay. C'est quoi ta théorie? Tu viens de comprendre pourquoi il est sur l'île, genre. Ah ben non, pas pourquoi il est sur l'île, mais ça serait mal assez. Non, mais s'il est fou ou s'il est pas fou, hein. Ouais, c'était ça la question à la fin, surtout. Bon, moi, je pense que il est fou pour parce qu'il y a qu'est-ce qu'il dit à la fin qui est quand même marquant, qui dit genre vaut mieux genre vivre en héros que mourir en tueur, quelque chose de même, là. C'est, pas exactement c'est ça. Mourir en héros que vivre. Ouais, okay, ben, en tout cas, quelque chose comme ça. Mais moi, je pense qu'il est fou parce que si tu retraces comme les deux espèces de chemin narratif de ces deux vies supposées, c'est toutes des vies qui te mènent à être fou. Tu sais, soit il a tué du monde à la guerre puis que sa femme a brûlé, soit c'est un genre de Marshall puis là, je saute des détails, là, mais. Soit sa femme a noyé ses enfants, soit sa femme a brûlé. Puis là-dedans, il y a tué du monde ailleurs. Fait que ça le mène à venir fou. Puis dans le truc. Moi, je misais sur le feu, by the way. Mais dans le truc qui est fou, ouais, il choisit le truc feu, qui fait plus son affaire. Mais ça reste qu'il est fou. À mon avis, maintenant. Là, ouais, ça écoute tantôt. Puis que je dis, ah, Chris, il est pas fou. Mais. Moi, je pense qu'il s'en va dans la folie pour se protéger de ce qu'il a fait. Dans le sens qu'il n'est pas capable d'assumer. Je crois que. Moi, ce que j'avais compris du film, c'est qu'il a vu des horreurs à la guerre, il a tué des gens à la guerre, il revenait avec un problème d'alcoolisme, parce que ça revient quelquefois dans le film. Et à un moment donné, sa femme est en dépression, elle noie ses enfants, puis après ça, il tue sa femme. Je crois que c'est ça qui est arrivé, et qu'il n'assume pas qu'il ait tué sa femme. C'est pour ça aussi qu'il a peur de l'eau, parce que ses enfants ils ont été noyés. Le feu, je crois que ça représente ce qu'il a vu à Art. C'était pas là, là mais deuxième. C'était pas de même. Puis je crois qu'il a assassiné sa femme, mais je l'ai pas vu 33 fois là, non plus. Fait que peut-être que c'est plus proche de toi que moi, là, mais c'est un très grand film. Mais même à la fin, genre, tu vois comme normalement, c'est comme si son cerveau il rebootait tout le temps. Là, tu vois à la fin qu'il lâche un commentaire comme quoi qu'il s'en rappelle, mais que genre il s'en crisse parce que genre il. C'est comme si, mettons, c'était la seule fois qu'il s'en serait rappelé, mais il fait semblant juste pour être lobotomisé, finalement, puis... Mais ça, mais moi, je pense pas qu'il est lobotomisé. Je pense qu'il a juste, dans sa tête, il a choisi quel scénario faisait plus son affaire. Ouais, mais... Pour lui. Mais c'est fait... pas lui quelqu'un de... Hey, je reviens, les boys. Ouais, parce que ça, c'est ouais, mais à la fin, tu... D'ailleurs, je vais revenir, moi, je vais aller pisser. Bon. Tu vas pas partir, à la fin du film, tu te vois pas... By the way... 8 minutes trop tard, spoiler alert, si vous avez pas vu le film. Je l'ai pas vu, moi. Ben, rendu-là, je pense que c'est ça. Ouais. Non, mais c'est pas grave. Mais je pense que même si on te l'a spoilé, ça reste un bon film. Ouais. Ouais si t'es pas d'accord avec ça, va écouter le Rosebud le cast avec Tommy Godet. Mais c'est cool des films de même que tu sais que t'as besoin de plus qu'une écoute pour comprendre. Puis à chaque fois, tu peux être plus mêlé aussi. Ah, oh, parce que plus ça avance, plus tu spots des petits détails, puis là, ça s'accumule dans ta tête, là. Tu sais, t'es comme, OK, ouais, au début, l'autre enculé, il a de la misère à détacher son gun. OK, ouais, mais là, il y a ça, puis là, OK, ben c'est peut-être moi qui est fucké aussi, là. Quand je comprends pas quelque chose, je suis comme, non, je vais le comprendre, puis je vais avoir toi, Vanessa, t'as pas répondu à la question. Hein? Ouais. Ah, mon film apocalyptique préféré? Ouais. Camping sauvage. Okay. C'est bon, par exemple, camping sauvage. C'est du bon cheapo, je trouve. Ouais. Ouais. Ben, je veux juste savoir, vas-y, réforme. J'ai aimé ça en 2004. Faudrait que je réécoute. Hey, excusez-moi, le bébé, il arrêtait pas de pleurer. T'as calé sa tête en dessous de l'eau. OK. J'ai des gars. Alors, pas le bébé, là. Non, j'avais pas compris. Ouais, pour répondre à ta question, peut-être le jour d'après, même si c'est un peu, meilleur film. Mais je l'ai écouté souvent, puis je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de...
de très réaliste dans le côté. On pourrait s'en aller sur une nouvelle ère glaciaire. Puis, tu sais, moi, ça me fait plus peur, les affaires de changement climatique. Ça m'avait marqué, ça. Du film avec John Cusack? Non, ça, c'est 2012. Non. 2012, ouais, non, c'est le même réalisateur. Okay, okay. Oh, il y a The Day After, non, puis The Day After Tomorrow. Ok, ouais, l'autre, c'est avec Jack Gallagher. Ouais, c'est ça, je sais pas comment prononcer, mais ouais. Bien prononcé, Marco. Ben, genre, Marie, j'avais fait un caucus avec mon frère, j'avais fait, on va juste appeler Jack, puis genre, je me suis dit, tout le monde va comprendre, mais clairement, il y a juste une deux qui va comprendre. Gyllenhaal. C'est ça? Brokeback. Gyllenhaal. Ah, il est vraiment moins difficile à prononcer que je pensais. Ben, je suis pas sûr. Je l'ai toujours prononcé de même, mais tu sais, Scorsese, je l'ai appelé pendant 10 ans Scorsese. Ok, c'est pas Scorsese. Ben, je pense que c'est Scorsese. Ou Scorsese. En tout cas, j'ai fait un des. Oh mon. Oh gosh! Les traumatismes en reviennent. Non, mais moi, je dis Scorsese, mais si c'est Scorsese, je vais m'adapter. Là. Ben, je vais aller voir. Ben, c'est comme Mesrine. C'est pas Mesrine, c'est Mérine. Mérine. Ouais. Ben, écoute, je peux demander à ma blonde. Ma blonde, elle a pris des cours d'italien. Fait que probablement qu'elle serait en lisant. Parce que, tu sais, mettons les deux C, ça fait un ch. Puis des affaires de même. Je pourrais demander comment ça se prononce. Non, toi, t'as une blonde, t'as un appartement, t'as des écouteurs. Y'a-tu quelque chose d'autre qu'on sait pas, là? Ah, j'ai même des tatous. J'ai ce luxe là. Essaye de te trouver un emploi avec des tatous. Bonne chance, mon gars. Dom, je suis curieux de savoir si tu connais cette anecdote-là. Parce que peut-être que oui, mais peut-être que non, mais dans Raging Bull de Scorsese ou Scorsese, là, peu importe, là, au début, Robert De Niro l'avait approché avec un script. Scorsese a dit « Non, je trouve que les films de boxe, tout le temps de la merde. » Puis finalement, Scorsese a fait un overdose de coke. Il s'est ramassé à l'hôpital. Robert De Niro qui a retravaillé le script pour que ça soit vraiment plus sur la personne qui est arrivé avec ça à Scorsese. Puis Scorsese a dit « All right, yeah, je vais le faire ton film, mais ça va être le dernier film de ma vie. » Puis ils l'ont fait. C'est pour ça qu'il y a plein de plans fucked up parce qu'ils se donnaient comme un malade en se disant « Faut que je close là-dessus. » Puis ils ont fait le film. Finalement, ils ont fait d'autres films puis d'autres coke, là. Ouais. La coke a arrêté. Il a arrêté la coke. Maintenant, oui, mais ouais. C'est juste dans les années 80. Là. Ouais, mais Scorsese devait être millionnaire déjà à cette époque-là. Il avait fait Taxi Driver, il avait fait Mean Street, il avait fait des grands films déjà. Ça devait pas être un problème d'argent. Mais je sais que la cocaïne, il a arrêté. Dans ces années-là, je pense. Mais... cette histoire-là, comme telle, je l'ai plus ou moins entendue, mais non, ça fait beaucoup de sens. Ouais, non, c'est hot. Moi, je l'avais entendu. C'était un genre de vieux prof au cégep qui nous avait. Quand j'avais un cours de cinéma, j'étais en arrêt option théâtre. Puis là-dedans, il y avait cinéma. Puis c'est là que j'ai appris ça. Je trouvais que c'était une belle histoire à raconter. Ça m'est resté dans la tête. Hein. Ouais. Il y a l'entendement d'un bon dude, Martin Scorsese. Ouais. On dirait qu'on voudrait lui faire un câlin. Ouais. Il s'endort pendant M&M aux Oscars, mais sinon... Ah oui, c'est vrai. Ah, oh, mais t'as même des photos de Billie Eilish, il était comme, genre, qu'est-ce qu'il calisse là? Mais apparemment, il y a des prises de vue qui sont... ils ont fait un bon travail, mais M&M l'a compté au podcast de Mike Tyson, Hotbox. Ouais. Puis il y a son récepteur de micro qui est tombé de sa poche. En même temps qu'il rappait, puis il s'en est rendu compte, mais il a l'air d'avoir un esti de long fil qui pend ses jambes, puis tout le long du beat, il essaye de le récupérer, puis ça s'apparaît pas aux caméras. Là, c'est pour ça qu'ils ont fait des shots dans le crowd tout le temps. Là. Ouais. Puis, c'est pour ça qu'ils ont choisi tout de suite les pires faces sur les faces du monde, genre, qu'est-ce qui colle, ça se met la main. Ça fait du sens. Ok, je comprends. Il l'a compté dans le podcast de Mike Tyson. Billie Eilish, je pensais qu'il se crossait, dans le fond. C'est pour ça qu'elle était choquée. Je pensais qu'elle avait juste pas de respect. Ce serait quoi, Dom, ton film préféré de Scorsese? Vous voulez aller voir comme quand il a gagné le score du meilleur acteur-réalisateur, puis comment il le nomme? Ouais, c'est ça. On va l'appeler Martin, au pire. Là. Martin. Mais... ben, c'est tough parce qu'il y en a tellement qui sont. Puis sont hétéroclites, tu sais. Ces films de gangsters, c'est malade. T'es Goodfellas, je pense que c'est son œuvre qui va
ça puis Taxi Driver, c'est les œuvres qu'on parle le plus de lui, avec raison. Mais il y a tellement des chefs-d'œuvre dans sa filmographie. Il y a des films qui sont moins connus, mais mettons After Hour, que il y a presque, ben, pas presque personne, mais il n'est pas connu. Mais c'est ça, tellement. Je le connais pas, c'est un gars qui part avec. Ça commence, c'est un informaticien. En tout cas, je ne vais pas vous conter toute l'histoire, mais ça se passe en une nuit à New York. C'est malade mental, c'est le bordel, mais c'est une comédie. Il y a un style qui peut s'allier avec la comédie, avec le drame, avec Wolf of Wall Street, c'était vivant. Ouais, c'était c'était plus jeune que plein des films de jeunes. Tu sais. Shutter Island, The Aviator, c'est grandiose. Ah, c'est lui qui avait réalisé Shutter Island? Oui. Ah, ouais, c'était fou ça. Puis, non, mais là, j'en oublie. Pour les humoristes, un des casinos, c'était hot. Ah, ouais. Il avait fait un des meilleurs films sur le monde qui est The King of Comedy, avec Robert De Niro. C'est le film qu'il avait réalisé, je pense, après Raging Bulls. Je l'ai pas vu, il paraît que c'est bon, ça. C'est la que Robert De Niro fait du stand-up dans son sous-sol, genre. Okay. Mais en fait, Joker. Il était inspiré un petit peu de la trame narrative de King of Comedy. Ouais, puis c'est vrai qu'il n'a vraiment pas aimé ça en plus, Scorsese. Ouais, il n'avait pas apprécié, je pense. Il était pas du tout au début du film. Ouais, ça j'ai entendu. Puis quand tu écoutes le film, il me semble qu'on ne voit plus son nom. Que... Mais il était producteur, puis il a décidé de s'en aller de la production? Je ne sais pas, il était peut-être plus producteur exécutif ou je ne sais pas trop. Ça, je ne voudrais pas. Oh mon Dieu, on a perdu quelqu'un. Ah non, chien qui est mort. Un autre. Tirez-les dans la tête. C'est un des leurs. On voit en arrière des bouteilles de vin. En tout cas, si c'est pas à qui les gays, moi, j'aurais deux, trois idées de quoi faire avec. moi, je ne sais pas, man. Vous autres. Ce serait difficile à dire pour eux. Je pense Taxi Driver, c'est probablement celui que j'ai préféré. La scène qui m'a le plus marqué de Scorsese, par exemple, serait probablement dans Casino quand il tue Joe Pesci avec les battes de baseball. Ah, oui, c'est rough, ça. Ah, mais c'est probablement une des scènes les plus violentes au cinéma que j'ai vu. Ah, ils ont la gueule pleine. Moi, je suis allé pisser, mais j'avais encore les écouteurs. Ah, ouais. Ah, mais tu sais. Ça aurait été meilleur avec le micro. Oh! Ah non, mais c'est tellement violent, là, tu vois pleurer. Mais je vais me faire un verre, je reviens. Il supplie de pas acheter. Il a pas pris tantôt le verre. Eh oui, maudite merde. Jeff. Parce que vous m'avez fait rire. T'es pas organisé, T'es pas organisé. T'es là. Il va au dépanneur une fois pour le lait, il revient chez lui, il retourne pour les céréales, il revient chez lui. Ben oui. Il retourne pour le café, il revient chez lui. 6h30 déjeuner, tabarnak. Moi, je ne l'entends rire. En écho. Attends, tu penses-tu que, mettons, box-office t'a fait changer ta manière de regarder les films? Genre, tu sais, parce qu'il faut que tu regardes plus de manière, genre, analyse, mettons? Non, ça pas mal. J'ai tout le temps pas mal été de même. Ouais. OK. Ça serait quoi, mettons, cette année, mettons, genre, je sais que, mettons, le film de préféré, c'est justement le film de Scorsese. The Irishman, ouais. Ouais, ce serait quoi le pire film que t'as vu? Puis cette année? Film... Ouais, cette année, ouais. Mon Dieu, le pire de cette année. Mon Dieu. Bon, on était voir Dr. Dolittle. Ouais, avec Robert Downey Jr. Ouais, qui est un acteur que j'aime bien, je trouvais qu'il était bien casté. Mais le film, c'est un film... familial qui sort en janvier, c'est pas une bonne idée. C'est dans le sens que c'est pas un bon présage du fait que OK, le studio sait que le film va être un flop, qu'il n'y aura pas de bonne critique parce que sinon il l'aurait sorti durant le temps des fêtes. Ouais. Donc c'était aussi mauvais que c'était décrit. Même c'était tellement mal critiqué qu'on s'est dit peut-être qu'ils sont trop sévères. Lui, je sais lequel, c'est The Grudge. The Grudge, ouais. Ils ont fait un remake, ouais, c'est vrai. Ah, on sait même pas si c'est un remake ou un genre de prequel de suite, mais c'est le film le plus gris que j'ai vu de ma vie. Là. C'est dol, mon gars. Là. C'est dol, mais comme fascinant de ça. Ben voyons, ce gars-là va se suicider, le gars qui a fait ce film-là. Il avait déjà commencé à prendre les pilules. Là. Il y a de quoi qui c'est la moindre des efforts. Là. Ben, c'est d'abord, c'était pas le meilleur film au monde, mais moi je l'avais vu au cinéma le premier, pis tu sais, veux pas. T'sais, dans une salle de cinéma, tu vas quand même faire des jumpscares. T'sais, c'est pas le meilleur film au monde, mais tu sais,
Le profil était efficace. Ouais, c'est ça, c'est ça. T'sais, l'effet horreur était quand même maîtrisé. Mais. Ouais. Mais je suis sûr que j'en ai vu des pires, mais là, j'ai pas souvenir. C'est un film qui était côté 7. Je sais pas, mais mettons The Grudge. Dewey's House. Ouais. C'est quoi, mettons, ta plus grande surprise, mettons, un film que tu t'attendais à fuck all, puis finalement, t'as été vraiment agréablement surpris. Pas que je m'attendais à fuck all, mais que j'étais vraiment plus étonné que je pensais l'être, c'est de The Invisible Man. Malheureusement, le film est sorti une semaine avant le confinement, fait qu'il n'a pas fait beaucoup d'argent, mais les critiques étaient assez bonnes pour générer un intérêt d'une semaine. Et moi, je l'ai vu sur Internet cette semaine. Fuck, man, c'est bon. C'est intelligent, ouais, c'est brillant, c'est osé. C'est un nouveau super-héros? Non, fuck off. Ouais, c'est dans les X-Men, ça fait partie, c'est... Wolverine, The Invisible Man, le avec Kevin laser. Bacon. Ça? Mais j'ai aimé l'effet vraiment. Je sais pas. J'ai pas vu le film. C'est un remake de film de genre, je sais pas, tu sais, des début 2000, genre avec Kevin Bacon, que c'est comme un. C'est pas un remake en fait, c'est une variation sur le même terme. Ah oui, je l'ai déjà vu. C'est une histoire universelle, L'Homme Invisible. Il y en a eu plein de versions. Il y en a même eu une version avec John Carpenter avec Chevy Chase dedans. Il y a eu un monstre classique des. Oui, ben, c'est les mémoires d'un homme invisible. Puis il est bon, c'est un bon film. Ça finit vraiment tout le temps qu'il y a un viol, là. C'est sûr que ça finit Ben, Chevy Chase, ça fait invisible, violer. Par Bill Murray, c'est très triste. Ça serait une crise de fin bizarre comme inattendu. Ah ben oui, je fais enculer. C'est bon. Mais sinon, non. Mais moi, j'ai vraiment trippé sur celle-là qui vient de sortir. Là, ça. J'avais été avec ma blonde la journée qui a sorti. Puis toute la tournure, c'était quel gars, la manière qui se suicide, puis qui revient, puis tout ça, c'est malade. Là. Je trouve qu'il a vraiment bien travaillé. Il y a tout l'effet était bien fait. Et la femme, l'actrice, que j'oublie toujours son nom, mais est hallucinante. Ah oui. Est vraiment bonne. De même, ça doit être difficile. Là. Ah oui, puis en plus, la prémisse est rough. Puis, tu sais, c'est moi, je vous le conseille fortement. Ça, c'était ma plus belle découverte, mais je l'ai vu en 2020. Le film est sorti en 2020. En 2019, ça serait quoi? Les Misérables, le film français. Ils ont refait un autre Misérable? Oui, mais c'est pas l'adaptation de la pièce de. Victor Hugo. Il y a des variations, mais c'est trois policiers dans un quartier chaud de Paris. Et c'est comme un Training Days français, mais c'est vraiment bon, c'est vraiment bien réalisé, c'est vraiment prenant. Ça, j'avais aucune idée de ce que j'allais voir. Je savais que le film avait été très acclamé, là. Comme mettons Parasite. T'sais. Quand j'écoutais Parasite, je savais pas trop c'était quoi. Puis j'aimais mieux ça comme ça. Puis Les Misérables aussi, je savais même pas que c'était un film policier. Puis quand le film commence, t'es hypnotisé par le film. Il y a Antigone aussi au Québec qui est sorti, qui est excellent. Mais qu'est-ce qui m'a surpris? Oh, Antigone. À partir de la pièce de Shakespeare? Oui, c'est ça. Rapidement, j'ai pensé que c'était quelque chose sur la NRA. Non, mais c'est pas encore de Shakespeare. Là, j'ai dit n'importe quoi. C'est ça. Non, c'est c'est une variation de la pièce de théâtre que moi, j'avais pas vu, mais j'ai lu sur Wikipédia. Mais l'actrice principale, c'est une révélation. C'est une jeune actrice. Je sais pas si elle joue dans des séries québécoises, mais je l'ai pas vu ailleurs. Vraiment, vraiment une révélation. Sinon, qu'est-ce que j'ai vu en 2019, c'est sûr, j'ai vu des super bons films. Attends un peu, les Coen, ça n'ont pas sorti. Scorsese avec Irishman. 1917, c'est excellent. Ouais, c'était bon, ça. Ouais, Joker, j'ai adoré ça. J'ai adoré. Ouais, c'est bête, là, mais Infinity War, Endgames, j'ai trouvé vraiment touchant. Mais j'en ai vu plein parce qu'on en voit trop par semaine, fait que maintenant on en oublie. Ouais. Mais Lighthouse, c'était magique. J'ai pas osé l'écouter, Lighthouse. Genre, je vous ai entendu en parler, j'avais comme regardé un peu vite le trailer, mais on dirait que genre. Mais je devrais l'essayer pour vrai. Mais... Ben, une soirée que t'es en forme, parce que c'est sûr que c'est quand même assez lent. C'est très contemplatif comme film. C'est un film qui est d'une beauté incroyable au cinéma. C'est un noir et blanc magnifique. Les deux acteurs sont
merveilleux. Là. Ils sont super bons. Willem Dafoe, il est tout le temps bon. Robert Pattinson, moi, ça me ferait quand Robert Pattinson a eu le rôle de Batman. Tout le monde, style pas de calice. Attendez, regardez le parcours de Robert Pattinson. Oui, c'est starté avec Twilight, puis c'est correct, il faut que tu startes quelque part. Je sais qu'il était dans Harry Potter avant, mais il mourait. Mais oui, il start dans Twilight, c'est correct. Mais après ça, il a joué avec David Cronenberg, des esthétiques films, dark, puis des rôles dark, puis difficiles. Puis en plus, il est embarqué dans le trip de David Cronenberg, où c'est que c'était de l'anti-jeu, ce qui est encore plus difficile. C'est un très bon acteur, Robert Pattinson, puis Willem Dafoe aussi, fait que... J'ai hâte de le voir dans le rôle de Batman. Ah, moi aussi. Moi, j'ai un bon feeling personnellement depuis le début. Là. Dans mon rôle. Je trouve que le casting, genre. Tu sais, je veux dire, si Keaton a fait un bon job, genre, pourquoi pas Pattinson, genre, je comprends pas. Ah, c'est un bon exemple. Donnez-y une chance. Non, mais il y a les skills pour ça, c'est sûr. Là. Ouais. Mais sinon, pour rester dans le cinéma, mais changer de film un peu, Dom, je suis curieux de savoir si tu l'as vu, qu'est-ce que t'as pensé du film Futile and Stupid Gesture? Un geste futile et stupide, mon enfant. C'est Good National Lampoon. Ah oui, j'ai vu. J'ai trouvé ça amusant. Un petit peu broche à foin. Mais super intéressant. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma soirée quand j'ai écouté ce film-là. Le punch de la fin, toi, t'étais-tu au courant que le dos des... Non, je connaissais pas ce gars-là. Je connaissais ses films. C'est dommage parce que... On dirait que c'est vraiment c'est Caddyshack qui l'a fait vraiment mal, là, qui a eu de la misère. Mais c'est un classique de la comédie. Puis... Ouais, mais c'est après Animal House, qui est comme vraiment genre le grand-papa d'American Pie, puis attends, tous ces films-là. Le film que tu parles, là, Stupid and... Futile and Stupid Gesture. Je ne me rappelle pas du nom. Mais c'est quoi? C'est les années 80? C'est une des comédies de National Lampoon? Non, c'est un... Sur eux autres, mettons. Sur l'auteur Doug Kenny, mettons. Ah, OK, oui, je l'ai vu. Excuse-moi, oui, je l'ai vu. OK, excuse-moi. T'as un faux Chevy Chase dedans, t'as un faux... Ouais, exact. Un Night Ride, puis... Il y a beaucoup de cocaïne. Oh, ouais. Il y avait quelqu'un qui faisait les commissions, tabarnak, si tu passais une 70 à ton goût, ça. Mais d'ailleurs, il y a une des scènes que la blonde de Doug Tenney, il pète une coche parce que lui, il organisait un party, puis il était supposé se jaser. Puis il fait juste comme pas l'écouter, puis il est comme « Check, as-tu déjà vu, ça ressemble à quoi? 2000 piastres de cocaïne. » Puis il ouvre une petite boîte. Des années 80, 2000 piastres de coke, là, ça devait être... Soyez patients, l'aide gouvernementale s'en vient. Là. Tout le monde va avoir droit à sa brique. C'est comme Richard Pryor, d'ailleurs. Il y avait des gros problèmes de cocaïne. Puis d'héroïne, puis bien des affaires. Ah, sûrement plein d'affaires. Mais l'anecdote que j'avais entendue, c'était par rapport à la cocaïne en particulier, parce que lui, dans chacune des villes où est-ce qu'il allait, il y avait des contacts pour avoir de la coke et tout ça. Puis on est dans les années 70, puis justement, il passait, puis il achetait pour sa soirée ou ben, peut-être pour une couple de jours, il achetait pour 2 ou 3 000 de coke d'un coup sec, assez que les vendeurs devaient lui dire comme, OK, mais je peux pas tout te vendre. Il arrivait, il allait les voir, il était comme, je veux tout ce que t'as. Genre, j'achète tout ce que t'as, peu importe. Puis genre, il fallait que les gens le refusent, lui refusent de tout vendre. C'est comme, j'ai des clients probablement réguliers, whatever, tu sais. Non, c'est ça. Non, il y avait des problèmes, des gros problèmes, Richard Pryor. Robin Williams aussi, hein. Puis il a été, lui, il a quand même réussi à s'en sortir pendant des années. Lui, c'était l'alcoolisme puis la cocaïne. Mm-hmm. Et à un moment donné, je pense à cause de la série qui jouait, c'est un spin-off de Happy Days, il jouait un extraterrestre, là. Ouais, c'est ça. Ouais, de quoi de même. Un moment donné, ça avait comme juste plus d'allure. Il fêtait toute la nuit, il prenait beaucoup d'alcool, il se remontait avec la cocaïne. Quand il était trop hype dans la cocaïne, il prenait de l'alcool. Puis, un moment donné, il arrivait tout le temps, le lendemain de veille, scrap, il était plus capable de faire les tournages. Un moment donné, il y a eu, après, je pense, la mort de James Belushi. John Belushi, il a arrêté la cocaïne puis l'alcool, il a été suivi des cures, puis il a recommencé seulement en 2004, genre pour un petit film poche qui se passe en Alaska, qui n'est pas Insomnie, là, qui est un autre de Big White.
Puis il a recommencé là, il était en queue, il a recommencé, il était en queue, puis il en parle dans ses one-man shows. Tout. Ça devait être bizarre. Excuse-moi, ça devait être bizarre pour lui de se rebatcher la première fois, parce que là, il ne connaît plus personne, tu sais, puis personne non plus sait qu'il en consomme. Fait qu'il faut qu'il aille voir un dude, puis il faut qu'il ait la réaction du dude qui est comme « Ah, c'est Robin Williams, c'est Patch Adams qui se bourre le nez, c'est incroyable. » Non, mais c'est pas mal sûr, parce qu'il y avait encore le costume. Non, c'est jamais difficile, mais en général, la première step quand t'arrêtes de consommer, c'est d'enlever le numéro de ton téléphone. Ouais, c'est ça. Mais il paraît qu'il allait déguiser. Un peu, ouais. Il allait déguiser en Madame Doubtfire. Fait que. C'est toi le gars, comment il parle. Alors, comme, s'il refait de la poudre, il est en Peter Pan. À un moment donné, il avec l'homme bicentenaire, mais ça n'a pas passé. Tout en métal, c'est 3PO que ça va t'acheter de la blow. C'est malade. il avait fait un genre de montage. Il a pris comme des footage du film Madame Doubtfire, puis en fait, genre comme un trailer de film d'horreur. Ah, oh, c'est parfait. Oui. Oh. C'est qu'elle regarde par la fenêtre. Ça, tu racontes, c'est vrai que c'est weird en tabarnak. Ouais, c'est la tête de toute la trame sonore, là. C'est important, maudit. Là. C'est vrai. Ouais. Il avait fait ça avec Shining comme c'était une comédie. Puis, il était avec Salisbury Hill, donc Peter Gabriel. The Shining. C'est quoi ton film préféré de Kubrick? Avec ça, c'est tough. Excusez-moi. Bon. Non. Vanessa, c'est quoi ton film préféré? Je les aime tous énormément, mais j'ai décidé d'en choisir un pour. Mais ça prend beaucoup. Mais Barry Lyndon, je le trouve hallucinant. À chaque fois que je l'écoute, je suis comme stupéfait. C'est magnifique. L'histoire est prenante. C'est comme une épopée de 3 heures. Puis c'est peut-être plus que 3 heures. Mais quand ça finit, je trouve que ça passe vite. C'est incroyablement grandiose. Mais ces films, c'est ça, Kubrick. C'est grandiose. Ouais. Je pense que je n'ai jamais vu en plus Barry Lyndon. J'ai vu probablement. Il y en a peut-être une couple qui m'échappe de Kubrick. Mais je pense que c'est comme un de ceux-là, justement. Je vais l'écouter éventuellement. Moi, je ne savais même pas que ça existait, pour être honnête. Le nom ne m'avait jamais. Ben, ça se passe durant la guerre. Excuse-moi, Vanessa. Non, ben, je demandais de quoi ça parlait. Fait que c'est... On s'est remis. On est en Europe durant la guerre de 7 ans. Puis c'est un jeune fermier là, qui vit avec sa mère, qui est en amour avec sa cousine. Puis un moment donné, l'armée anglaise vient s'installer dans le village. Pas l'occuper, il s'installer parce que c'est des alliés. Puis il y a un général de l'armée anglaise qui tombe aussi en amour avec la cousine de Barry Lyndon. Fait que Barry, qui est vraiment orgueilleux, là, c'est Ryan O'Neill, puis c'est ça qui va causer sa perte aussi. Il est super orgueilleux, fait qu'il déclare en duel. T'sais, le duel, là, t'as un gun, puis t'es devant la personne. Oh! Puis là, il y a quelqu'un. Fait que finalement, il tue le général. Fait que là, il faut qu'il parte en exil. Puis là, tu suis toutes ses aventures. Il va croiser un voleur, il va croiser l'armée, il va croiser un vieil ami, il va croiser. Tout ça pour l'amener. C'est ça la prémisse du film, parce que le film ouvre comme. Barry, chapitre 1, comment Barry. Redmond Barry devient Barry Lyndon. Puis là, après ça, il y a une deuxième partie. Comment Barry Lyndon. Pour résumer, c'est genre gâcher son destin. Quoi de même. Fait que c'est vraiment prenant, c'est magnifique, les costumes sont magnifiques. C'est un film aussi qui a été tourné dans la lumière naturelle. Puis à l'époque, ça se faisait pas. La NASA a conçu une lentille spéciale pour le film et toutes les images sont en éclairage naturel, ce qui donne un côté vraiment réaliste. Mais c'est pas un docu. T'as pas l'impression d'être un docu parce que tous les plans sont placés comme Kubrick sait placer ses plans. C'est comme en wide. Puis à un moment donné, il y a une scène qui est toute tournée à chandelle. Ils sont en noir, puis c'est tourné à chandelle. Il n'y a pas d'éclairage. Oh, ouais. Il a fallu qu'ils réduisent les mouvements des figurants derrière. Pas qu'il soit flou. Quoi de même, toute une technique. Oh, wow. Et c'est pour ça qu'on dit que, vu que la lentille vient de la NASA, c'est pour ça qu'on dit que c'est Kubrick qui a fait le faux film de l'atterrissement sur la Lune. T'as-tu aimé d'ailleurs Moonwalker? Okay. T'as-tu aimé Moonwalker? Je sais pas si tu l'as vu. Il était sur Netflix, c'est comme un film. T'as le gars qui fait Ron dans Harry Potter qui joue là-dedans. C'est comme.
T'as comme du monde qui veut le payer, qui veut, genre, je pense que c'est la NASA, ils veulent payer Stanley Kubrick pour faire un atterrissage sur la Lune. Hein? Puis là, finalement, t'as un gars qui se fait passer pour Stanley Kubrick. Puis, ouais, c'est sur Netflix, c'est vraiment bon. T'as comme un. Il est encore sur Netflix? Je pense que oui, j'ai écouté, je te dirais, dans les 8 derniers mois. Fait que d'après moi, il doit être encore là. Dans les 8 derniers mois, on se connaît des becs et les joues. C'est vrai. Quand t'as dit 8, je me disais dernier jour, mais 8 derniers mois, ça se peut que. Mais t'as Ron Weasley, t'as comme le gars qui joue dans, qui fait Hellboy, dans le fond, qui représente la NASA. Puis t'as le gars qui donne l'argent à le gars qui était comme un genre de gérant de musique. Pour parce qu'il pense que c'est le gérant de Stanley Kubrick pour pouvoir produire un genre de faux atterrissage sur la Lune. Puis là, il se rend compte finalement qu'il a donné l'argent à un imbécile. Fait que là, c'est comme. Ça devient un peu ça. Là. C'est comme faut que ça se passe. Là, lui, il est dans la merde. Puis là, l'autre, il est dans la merde. Mais c'est vraiment bon pour eux. C'est. Ben, j'ai jamais entendu parler de ça. Puis tu m'intéresses en maudit pour eux. Ouais. Ça s'appelle Moonwalker. Ben, c'est écrit. Check la preuve. Oh, il est plus sur Netflix. Ah non! Oui, à part nous apprendre des mauvaises nouvelles, tu fais-tu l'autre show? Non, il attend. De la peine à Dom. On va faire de la peine à quelqu'un rester. Est-ce qui me fait plus plaisir? Oui, je le sais bien. Est-ce que tu me fais peur? C'est callback. Sinon, Dom, je sais que, genre, tu sais, dans des. Peut-être. En dernière année, année et demie, genre, vous étiez donné le défi d'écrire un show par mois. Je me demandais, c'est quoi le. Mais ils l'ont rempli, là. Ils ne sont pas juste donné le défi. Là. C'est ah, félicitations, défi. Ah, voilà, c'est, voilà. C'est colossal. Rempli. Quoi? Ah, j'ai de la merde, c'est pas. J'ai choqué en plein milieu, mais c'est ouais. Je connais pas pour ça, il y a assez de dodo pour tout le monde. Ouais, je me demandais, c'est quoi le rôle que t'as préféré jouer, puis le show que t'es le plus fier, genre, parce que peut-être ça peut être deux shows différents. Ben, j'ai beaucoup aimé jouer Jean-Marc Parent. Ah oui? Ben, toi, tu l'avais vu au Minifest. Non, je ne l'ai même pas vu, mais quand j'ai su que tu faisais leur JMP, là, j'ai comme, je le voyais trop. Ben, j'ai vu une partie, je pense au gala des majeurs, tu avais fait JMP avec Max. Oui. Puis c'est, écoute, je voyais le potentiel du show. Là, je regrette d'avoir manqué ça. Je ça en est un qu'on n'a pas vu en plus. Ça en est un aussi que j'ai pas vu et que j'aurais aimé ça voir. Mais on va le remettre. Ça m'a fait rire votre. Tu sais, là, vous faites les personnages du jour. Là. Ouais, c'est là, nice, ça fait du bien ça. Là, pour de vrai. T'es vraiment imprégné de, comme de sa personne. C'était vraiment. Hein? Excusez-moi? Non, c'est correct. Okay. Je pense que t'allais exactement dans la question que j'allais poser. Fait que vas-y. Non, mais c'est à cause que pour faire le show, nous autres, on voulait refaire l'RGMP, mais un nouvel épisode. C'est dans le sens que on voulait pas réécrire un épisode, que retranscrire un épisode. Fait que nous, que Maxime et moi, on a fait, on a tout écouté les RGMP. OK? Ça, c'était à l'époque à TQS. Parce qu'il y a deux genres de Jean-Marc Parent. Après, c'est plus le même Jean-Marc Parent pour Urgence à vivre. Il n'y a pas le même parler, il n'y a pas le même mouvement non plus. Fait qu'on s'est vraiment inspiré. Fait que j'en ai écouté à cas. Puis on a écrit des fausses anecdotes de Jean-Marc Parent, comment il a rencontré son chanteur Alain Couture. C'est quand la première fois qu'il a rencontré Reg. Toutes des fausses anecdotes, mais qui ressemblaient à des anecdotes de Jean-Marc Parent. Puis ça marchait au bout. Puis on rajoutait genre des chansons. Tu sais, mettons, il y avait le Mercedes-Benz. Fait que là, c'est Maxime qui faisait Alain Couture. Julien faisait Reg. Puis il y avait juste un couple de cuir en bedon. Puis il n'y avait même pas de guitare. Puis Maxime, il y en a 1000 guitares. Mais on trouvait ça juste drôle. Puis là, il était là, genre, mettons, hey, c'est la première de l'année. Écoute, on était super excités. Nous autres en arrière, t'arrêtes de nous voir des vrais enfants! Puis là, on parle. Hey, mais pour bien commencer l'année, là, hey, Reg, parle-nous d'un tune. Puis là, c'était comme du Led Zeppelin qui commençait. Speed up, time for the rock and roll! Puis là, Jean-Marc allait danser dans le public. Maxime qui chantait, puis tu sais, il faisait la couture vraiment avec une petite voix. Genre, speed along, 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 along. Puis Alain, on avait écrit son personnage qu'il parlait toujours de sa gorge. C'est un chanteur, il dit oui, c'est vrai, Jean-Marc, j'avais porté un col roulé car. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour ma gorge. C'est très important de s'occuper de sa gorge et ça peut être notre meilleur ami comme notre pire ennemi.
Car moi, papa, il est mort. Le papa, il est mort sa gorge. Il jouait au poker et il a pris une bouchée de pinot. Et... ça m'a toujours déçu de la gorge. Sinon, oh, wow. Puis, je pense notre préféré. Puis, la ligne d'impro, je la compte pas là-dedans. Parce que la ligne d'impro, on l'écrit, puis on a eu 6 mois pour l'écrire. Pas 6 mois, mettons 4 mois. Mais la ligne d'impro, c'est un plaisir pour un cadeau à chaque fois qu'on le joue. Mais je pense que le passe-partout des Picbois, là, ça nous fait rire à chaque fois. Puis il est bon, le show, il est vraiment bon. On le commence, on le finit. Christy, on l'a pas vu passer. Puis celui-là, on veut le refaire bientôt, mais dès que toute la situation va se régler. Mais passe-partout, là, c'était Maxime qui faisait passe-montagne. Julien faisait passe-carreau, puis moi je faisais passe-partout, puis on avait tout comme bien défini le type de personnage que. Puis passe-partout, c'était une petite colérique qui décidait de tout, là, qui est un petit boss, là, puis quand ça ne faisait pas son affaire, c'était chaud. Ça marchait, ça marchait, puis Maxime faisait fardoche, là, puis encore aujourd'hui, je pleure de rire, là, parce qu'on dit. Ben, cet après-midi, on s'en va chez Fardoche, puis vous n'avez pas le choix d'y aller. C'est moi qui l'ai organisé. Ben, ça me tente pas, moi, de passe-partout, d'aller chez Fardoche. Il y a de la marque partout. Faire tout le temps mes beaux souliers. Neuf. Là, ben, on voit une vidéo que Fardoche s'en vient, parce qu'il y avait des vidéos aussi. Là, tu sais, sur la pub de passe-partout, genre... Puis là, c'est juste des images, je sais pas si on va le voir, là, mais attends, je vais essayer. Fardoche qui marche. Oh wow. Tout ça dans la merde. Des fois il glisse, tu pop. Mais ça c'est un de vos gros skills à toi et Maxime, que vous vous mettez dans un personnage en un claquement de doigts. Puis public, vous, ben, public, mettons, je sais pas, moi, tu sais, moi, je vous connais dans la vie un peu, on se connaît pas tant que ça, mais un petit peu. Puis quand vous rentrez en personnage, je sais pas, on dirait qu'il y a une transformation qui se fait tout de suite. Moi, j'avais vu la Ligue d'impro, entre autres, que c'est juste plein de personnages, c'est comme un party de personnages là-dedans. Puis ça se fait tellement tout seul, naturellement. Là. Tu l'as fait juste tantôt quand tu t'es mis en Jean-Marc Parent, via 2 minutes, mettons. Là. C'est automatique. Là. Ça, c'est un skill qui est beau à voir. Là. Moi, je trouve ça impressionnant. Puis... c'est le genre d'affaire que moi, je fais dans la vie pour faire rire ma blonde, mais que c'est pas peut-être. Là. C'est... Ouais. Ma blonde est comédienne. En lien avec ça, d'ailleurs, j'avais une question pour toi, Dom, parce que j'aime beaucoup justement vos personnages originaux aussi que vous faites, que vous créez de toutes pièces. Puis même moi, des fois, j'essaie de faire des personnages pour une petite émission Patreon qu'on fait. Puis je veux savoir comment tu fais pour... c'est quoi ta façon de créer un personnage de toutes pièces? Qu'est-ce qui t'inspire en premier? C'est-tu une posture? C'est-tu une voix? C'est-tu un trait de personnalité? Ben c'est une bonne question. C'est un feeling. Souvent, c'est un feeling. Puis, passe-partout, par exemple, dès qu'on a décidé qu'il était colérique, c'est quelqu'un de colérique, ça se passe ici. Là, puis, ici, c'est comme... ouais. Jean-Marc Parent, c'est que j'en ai tellement écouté. Ça, moi, ça c'est pas un personnage à interpréter, c'est une interprétation, c'est pas un. Ouais, mettons, un pastiche, mettons. Mais le magicien, moi, je m'en rappelle, Dom. Ouais. Le magicien. Oui. C'était assez particulier. Oui, oui. Oui, bon. On va garder ça dans notre petite boîte. Ah, oui, non, mais c'est. Mettons pour des. Il y a des personnages comme ça que tu te rappelles, comme. Non, vas-y, avec ça. Il y a des personnages comme ça que tu te rappelles le moment où l'idée t'est venue, puis le. Y a-tu une anecdote qui vient avec d'autres personnages? Ben, Léopold, mon père de famille stricte, qui, tu sais, il est comme genre, il est strict, mais il est aimant, là, tout ce qu'il fait, c'est pour ses enfants, mais il est tout le temps, là, placez-vous! Ouais, moi, ouais. Je vais placer. Okay. On avait un show qu'on fait sur lui, c'était comme un hommage à Ferris Bueller. La folle journée de Léopold. C'était comme lui qui pouvait pas rentrer travailler, puis finalement ça finissait qu'il sauvait une prostituée de la rue, puis il se battait contre son pimp. Mais Léopold, je me souviens que c'était à des sidérés,
puis j'étais crissement hangover, j'avais pas de personnage, puis j'avais juste fait, c'est quoi le contraire de moi en ce moment? Là, je pensais à un père de famille qui est responsable, qui se lève tôt le matin, qui fait vivre sa famille. Fait que là, je fais okay, c'était comme créer une main. Tu penses-tu qu'il y a beaucoup qui ont été créés là-bas? Là? À décider, ouais. Ah ouais. Tu penses-tu, le fait d'être hangover, mettons, tu sais, t'es encore un petit buzz d'alcool en travaillant, genre, tu penses-tu que t'es plus créatif humoristiquement dans ces moments-là? Non, ben, en fait, l'alcool, ça aide en rien. Non? C'est vraiment, non. Là, c'était l'adrénaline, le croix du oh, « fuck, j'ai rien ». Ouais. C'est plus ça, moi. Ouais. Mais sinon, je déconseille à n'importe qui, ben, en tout cas, moi, là. L'alcool, ça va pas t'aider. Des fois, peut-être, starter un projet, une idée, puis, mais tu vois, au final, la développer à jeun. Ouais. Parce qu'il faut que tu rentres dans une espèce de transe quand tu écris, soit de l'humour, soit des personnages, soit. Là, je suis en train d'écrire un court-métrage. Tu rentres en transe, il faut vraiment que tu sois connecté avec toi, puis il y a quelque chose qui va débloquer de ça. Sinon, si tu es le moindrement, parce que moi, je suis quelqu'un qui boit beaucoup, si tu es en alcool, le lendemain, tu sors ta vie, puis ça vaut rien. Ouais. Ça a été une perte de temps, puis de travail, puis. Mais tu vois ça. Ça a-tu bien fonctionné, vos levées de fonds que vous avez faites? C'est un cool concept pour faire votre levée de fonds. Oui. En fait, pour faire notre pilote, il me manquait juste 500 $, qui n'est pas beaucoup. Là. On est capable d'aller chercher, mais là, tout est gelé. Tout est arrêté, tout est en pause. Ouais. Mais ça, on avait déjà une idée de comment aller chercher le 500 $. Le public a été super généreux. Ils ont été au rendez-vous. Puis nous autres, ça, c'est pour tourner un pilote TV. Qu'on commence à écrire, qu'on a commencé à conceptualiser, puis qu'on va commencer à écrire bientôt. Ah, c'est cool, ça. J'ai hâte de voir ça. Ça va sûrement être vraiment bon. Là. Si on se fie à tout votre. Qu'est-ce que vous avez fait, là, les shows, tous vos shows que vous avez fait en pas long, puis la plupart étaient vraiment excellents, là, de vos shows. C'est gentil. Et c'est même. Ah, si on se fie juste à ça, que vous avez fait de quoi en pas longtemps, puis c'était bon, mais de quoi que vous pouvez travailler, puis que vous prenez le temps de le travailler, c'est sûr que ça va être excellent. Là. Ben, c'est très gentil de ta part, mais ça, ben, il faut jamais prendre rien pour acquis. Nous autres, c'est toujours le défi de se faire rire. Ça, c'est le fun de travailler en gang, ben, c'est toujours le défi de se faire rire, parce que c'est Maxime et moi qui écrit nos projets, mais on met toujours Julien dedans. À un moment donné, Julien, on lui laisse aussi une espèce de lousse de pouvoir... s'approprier son personnage ou de rajouter des trucs. Donc, Julien aussi, en quelque sorte, fait partie du processus des créatifs. Puis les trois, on essaye de se faire rire, tu sais. On essaye de surprendre l'autre et tout. Puis c'est vraiment stimulant, ça, c'est le fun. Pis ce serait qui le plus difficile à faire rire, Moto? Maxime? Ah ouais? Le plus sérieux de la gang? Ben, Maxime, oui. Ben, en fait, pince sans rire, peut-être, plus. Mais ouais. Max, lui, parce qu'il nous fait pleurer de rire à trop. Il n'a même pas besoin de pleurer des fois, puis il nous fait rire. Mettons, il rentre dans une pièce, là, puis. OK, ben, je pense. Ouais, je peux le compter, ça, parce que c'est un moment donné, on était en tournée en Abitibi, puis j'avais appris que Garou avait une chanson qui s'appelait Criminel. Puis. les paroles, ça n'a aucun sens. Je pense que c'est Luc Plamondon qui avait écrit ça, c'était. Méfiez-vous de la femme enfant. Oui. Méfiez-vous de ses 14 ans. À cause de elle, on m'appelle criminel. Je connais pas. Et là, on est dans le salon. Dans le c'est salon. C'est super malaisant. Comment j'ai vu la Mondon quand il écrit ça? Ouais, il était plus vieux que nous cinq réunis. Là. Oh, ouais. Puis je raconte ça à Julien. On est comme dans le sous-sol d'un couple qui nous avait hébergés à Amos. Merci d'ailleurs. Ils ne nous connaissaient même pas. Ils nous ont accueillis là, comme des rois. Puis je mets ça. Puis là, Maxime, il était dans sa chambre en train de dormir. On pensait qu'il dormait. Il sort, il est juste en petite bobette. Puis il commence à danser. on s'imaginait que c'était le clip de la chanson. Méfiez-vous de ça. Et Max, il fait des enfants de même. Il n'a même pas besoin de parler. Puis on pleure de rire, Julien puis moi. Julien, ça va. Non, vas-y, Vanessa. Ah, mais j'ai vu son. C'est sur Instagram, j'ai vu passer. Il a fait une vidéo, c'est Carcajou.
son espèce de personnage de Godzilla. Oui, moi, je l'ai partagé, ça. J'ai trop trouvé ça drôle. Drôle. Il me fait penser à un personnage qui existe pour vrai. Je sais pas si vous connaissez l'homme panache, mais c'est un espèce de God Destroy de même. C'est juste trop gros. Oh, wow. Man, il pogne au bout depuis qu'il fait James, là. Man, la table, parce qu'à la fin, on signe des autographes, on vend des posters, puis man, il se fait cruiser, ça n'a pas de sens. Max est en couple, il est zéro volage. Fait qu'il s'en crisse, tu sais, mais Julien puis moi, là, des fois. C'est drôle. Puis, je sais pas si... j'ai l'impression que la moustache rajoute quelque chose à vous deux, mais à Maxime en particulier, dépendamment des personnages. J'ai l'impression que, comme par exemple, pour le gars des bois, je trouve qu'une moustache, visuellement, avec le personnage, ça fait super bien. Genre, je sais pas si tu as eu cette impression-là. Ou, Ben, c'est parce qu'il y a une vague charismatique et sexuelle aussi, le moment qu'il est grand. Je sais pas, là, genre, c'est comme... Ah. Those motherfuckers, genre. Ouais, ça le rend très masculin. You stay there! Ouais, c'est ça, c'est badass slash sexuel. Vous en aviez pas des fausses avant, donc? Hein? Vous en aviez pas des fausses avant? Puis avec les personnages de jazz, puis ça tombait tout le temps. Ouais. Il y avait un sketch de jacuzzi. Le personnage de jazz, c'était malade. Ah, mais ça, c'était bon. La presqu'île, là. C'est drôle, ça. Non, les moustaches, on a toujours eu ça. On a peut-être dans les premiers mois qu'on a fait de l'humour, on n'avait pas de moustache, mais sinon, on n'a jamais eu une fausse moustache. Tant qu'avoir une moustache, on voulait en avoir une. C'est à cause. Ah, OK. Dans la presque jazz, on les teignait. Pour qu'ils soient encore plus foncés. Ah, ouais. Ah, OK. Puis sinon, Mais, man, quand on avait fait James, le trappeur urbain à la noce, ça nous passait à Chicoutimi. C'était comme des lives qu'on faisait. Okay. À chaque 2 heures pour rappeler que l'événement avait lieu. Puis, un moment donné, c'était James. Puis là, il est hors plan, la caméra est comme ça. Puis t'as mon James qui arrive avec un pneu. Il le dépose, il parle. Après ça, il reprend son pneu, puis il repart. Il y a un pneu. Vous faites vraiment la distinction entre le personnage et la personne, genre? Dis mon James, genre? Ah oui, on fait ça, souvent, oui. Calme à chier pervers a gagné meilleur numéro d'humour au gala de la relève. Salut, man! Hey, salut, Zach! M'avoir Kermit! Ouais, dis allô, Isaac! Isaac a l'air d'être un mélange de Billie Eilish pis de genre Charlie Brown. Non, on retourne à Sesame Street. Ah, vous y avez fait peur, là, il est parti. Il me voit pas, là. Hein. J'étais comme, oui, on le voit. Non, on le voit pas. Il est en jaune. Il serait dans le milieu du bois si un soir qu'il n'y a pas de lune, on le verrait, Chris. Ah, mais c'est ça, on le voit pas. Wow. On va pas au cinéma avec ça, tu vas déranger tout le monde. Pouvez-vous baisser votre style de capuchon? Mais ça, vous faites la distinction. Non, parce que moi, j'ai seté le Skype sur on voit qui parle. Moi c'est ça, ça m'aide à me concentrer, parce que sinon, avec les quatre qui changent tout le temps, ça me fuck. Oui, ton coloc, là, durant le verglas, là, il mettait son chandail, tous les voisins pensaient qu'il y avait l'électricité. Ah, merde, c'est revenu, Jésus! J'ai une question. Est-ce que les gens ont continué à flasher leur lumière pour la pandémie ou ça a fait un flop monumental? J'ai jamais fait ça personnellement. Mais vous étiez au courant que les gens le faisaient? Oui, et j'ai décidé de ne pas le faire. Ben, parce que non, honnêtement, c'est pas une décision comme. C'est pas un point. Ou... Non, c'était pas comme genre, oh non, moi je ne participe pas. C'est juste. Pas de le faire. Non, c'était pas ouais, qui t'ont dit, hey, mets 5 cents à chaque fois que tu rouvres la crise de lumière. Ben, c'est ça, tu sais. Non, c'est. J'ai pas participé. J'ai été mis au courant de cette pratique-là, je pense le premier ou le deuxième soir. Okay. Puis je dis, all right.
Je vais le faire si, quand je regarde dans ma rue, il y a du monde qui le font, puis personne ne le faisait. Je pense que tout le monde sait ça. C'est la même affaire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais t'sais, en Europe, le monde applaudit à 8h30. Ouais. Ah, puis ouais. Le monde le font. Là. Mais ben, dans la rue, ouais. Mais tu vois ça. Ouais, ah, ouais, même, tout le monde est dehors, comme sur leur balcon. C'est juste copier le shit de Jean-Marc. Là. Tant qu'à faire, créer une nouvelle affaire comme applaudir, ça, je trouve. Ouais, genre, let's go dehors, COVID! Mais... Ouais, c'est pas compliqué quand ils ont demandé de flasher les lumières, j'ai appelé le logo, j'ai dit ça va-tu me donner de l'argent? Non, mange la merde. Ben oui. Hey, à un moment donné. Tabarnak, là. Ça coûte de quoi l'hydroélectricité ici, ta petite caliste, là? Hey, je suis DA, moi. Mais pour j'aimerais ça. Mais non, j'aimerais ça que tu sois capable d'être. Ok, on a parlé les deux en même temps, personne. Ouais, mais mon gag valait pas la peine, je vais te laisser continuer. Vas-y. C'était juste, j'aimerais ça que Dom soit capable d'être aussi mine que ça pour vrai. T'es quand même gentil, là. Mais juste appeler le groupe. Hey, je connais pas mon petit gars. J'étais là, moi, dans la salle, à Michel Courtemanche, en impro. C'est moi qui criais. Plus drôle! C'est oui, Michel! Oh, man. Ça serait malade. T'es un ancien éclair devenu humoriste. Ma soeur est plus drôle que toi, puis elle est morte de la leucémie. Avez-vous pas mal des éclairs dans vos shows? Nous autres, on est deux. Tout le monde qui crie bou là, quand vous ratez le boudum boudum. Ouais, là, ça, c'est cool. Mais, non, mais crier « boo », c'est pas un éclair, là, à mon avis. Non, je trouve que les pics bois sont impossibles à éclair, selon moi. C'est tellement un monde à part. Là. Mais non, des fois, ça arrive, mais on est deux sur scène. Fait que c'est plus intimidant, je pense, pour une personne de nous crier de quoi. Mais c'est arrivé, là, le dernier show qu'on a fait, c'était à Gatineau. Puis il y a une femme en plein milieu de la salle qui s'est levée en parlant de machin pervers, puis elle a fait de l'attitude. Là. Fait que, j'ai parti. Ça arrive, là. On n'est pas à l'abri de ça. Puis. C'est arrivé en super d'homme que tu t'es fait écler? Ouais, mais ça, c'est l'affaire la plus facile à ramener, là. Parce qu'il est tellement imbécile, super d'homme. Ouais. Il se fait écler. C'est quoi? OK, je vais m'amuser avec toi. C'est quoi ton nom? Puis là, il me l'a dit son nom, puis là. Ouais. On l'applaudit. Ben, c'est tellement sa ligne de ça se peut, genre c'est du génie, mais en même temps, genre clairement, c'est tellement joué sa ligne que genre c'est pas clair pour du monde qui savent pas. Une année, j'avais été un petit peu plus rough, mais c'est parce que le show, ça faisait 3-4 numéros qui étaient commencés, on faisait 1h30. Il y avait deux gars sur la pinotte en avant, puis on a su que c'était sur la pinotte après. Il était le même, là. Il était comme genre, il se tenait plus. Il buvait des bières, mais il les échappait tout le temps. Puis le propriétaire, ils n'ont pas crissé dehors. Puis il n'arrêtait pas, il venait sur scène, tout. À un moment donné, en super dame, je dis excuse-moi, tu fais quoi, toi, dans la vie? Ah, moi, je travaille pour la ville. Viens-tu te faire chier à ta job, toi? Non, ben, ça va. Ferme ta gueule. Mais ça, c'est la seule fois que j'ai été comme mean. Mais pour revenir à la fin de tantôt, c'est. Ah, ben, tout fait bien. Mais dans le fond, tous vos personnages ont une entité, genre, tu fais la séparation, mettons si Max c'est Max ou Max est un personnage ou une affaire pour toi, dans le fond? Oui, ça se fait naturellement, même en tournée, Pascaro, je vais appeler Pascaro Julien à la place de Julien, tu sais, il y a quelque chose qui s'installe, on dirait, c'est dans le subconscient, puis ça dure le temps du show. Une affaire qui m'avait fait peur un moment donné, c'est quand on faisait beaucoup le jazz, on était rendu dans le quotidien comme le jazz, genre, oh! C'était plus gênant aussi. Ouais, pis c'est quoi, t'avais peur de perdre le contrôle, mettons, pis que ça prenne trop de place dans ta vie, genre? Non. Ben, tu devais pas devenir ce gars-là, là. Non, mais le jazz, ça avait eu un gros buzz dans le temps. T'avais même, genre, Frank Grenier pis Martin Vachon qui avaient fait une parodie. Ouais, c'était non à Chris, là. Ah, c'était quoi déjà? L'après-meringue, golf. Ouais, c'est ça. L'après-golf, meringue. Puis, honnêtement, il y avait des meilleurs gags que nous autres. C'était parfait, là. C'est-tu que c'était bon? Puis, tu sais,
C'est une petite gang. Ils sont tellement trippants, ces deux gars-là. Là. Tu sais, Martin Vachon, il a tout dans la vie pour être un assis de frais chier. T'sais. Il est beau bonhomme, il est bon acteur, il est bon humoriste. Il a une belle famille, il a tout pour lui. Et c'est le gars le plus fin au monde. Frank Grenier, la même affaire. C'est un amour, Frank. Fait que, c'est comme tout le temps des... Ouais, ça, c'est le fun. Ça, c'est trippant, Chris. Ouais. Ouais, puis en même temps, ça, il y a mettons, un dos qui est en train de faire, comme tu dis, il y a un peu tout, mais c'est tellement le dos qui est capable d'être le plus tata aussi. Oui, sur oui. Fine, il a sorti une vidéo dernièrement où c'est que Martin Vachon, là, il a tout fait un parcours dans sa maison pour son enfant. Mais tu sais, genre avec des flèches, des épreuves, tout ça, puis il commentait ça, là, puis c'était drôle, puis c'était cute. Là. Meilleur dude ever aussi. Ouais. Ce serait qui le pire? Hein? Ce serait qui le pire de bord? Le pire, ben, mais disons qu'ils connaissent mon adresse et ils sont plus forts que moi. Fait que... mais je sais que tu trouves que Tarantino est overrated un peu. Il y aurait-tu d'autres réalisateurs mettons, que tu trouverais mettons, que, genre, qui ont un certain succès mais que toi ça te parle moins? Je voudrais juste dire que Tarantino il mérite son succès, il mérite. Tout le fame qui est alentour de lui. Moi, c'est juste pas mon préféré. Ouais, c'est... Mais je dois dire que j'ai aimé tous ses films, puis j'ai vu tous ses films plusieurs fois. Et j'aime ça, mon Tarantino. J'étais super content d'aller voir Once Upon a Time cet été. J'avais hâte. C'était un des films que j'avais hâte cet été. Mais il n'y aura pas le même effet que, mettons, les frères Coen pour moi. Ouais. C'est correct. C'est correct. David Fincher, moi, je vais capoter raide quand il sort un film. Tarantino, je vais avoir hâte, puis je vais écouter son film, puis je vais aimer ça. Non, mais t'as ça devient une question de goût, anyway. Pas... Ouais, puis moi, je suis persuadé que Tarantino va devenir un de mes réalisateurs réconfortants quand tu vas être plus vieux. Puis je vais vouloir écouter un film réconfortant qui me fait penser à notre époque. Puis je vais écouter un Tarantino. Ouais, tu veux écouter sur Facebook dans Four Rooms, sur Repeat. Ah, moi, moi, je veux voir Samuel Jackson qui se fait sucer en boucle pendant une heure. c'est quand c'est le 18 novembre. 18 novembre. J'aimerais ça. Ah, on n'est pas si loin. Si moi, je suis le 15. T'es le 15. Ben voyons donc. On devrait. On peut-tu. Ouais, vous pouvez, les gars. Vous pouvez. On va faire une fête ensemble. Là. Toutes mes amis. Il y avait un chant de Mickey Mouse. Ça a l'air. Notre mère nous a rappelé que c'était la fête de Mickey Mouse le 18 novembre. Fait que... Oui, exactement. C'est vrai. C'est vrai. Je partage avec ma fête avec une grande souris de l'histoire. C'est vrai. On loue le stade olympique, les gars. Oh ouais. Mickey Mouse. Ça serait malade, ça, partir, être là. Riche au point de faire comme j'ai assez de fuck you money pour louer le stade pour fuck all. Ah ouais. On est juste trois. Advertisement en plus, on loue le stade olympique puis on fait un open mic. Ah ouais, mais tout le monde est sûr qu'ils vont voir genre The Wall par Roger Waters. Si, finalement, c'est comme juste vous autres qui parlent. On est quand même pas loin de sous-écoute au Centre Bell aussi. Là. Ouais. C'est une astuce d'affaires pareil. Ouais. Mais moi, ce serait plus genre Jean-Marie Carbeil qui chie dans une corbeille. Genre, ou quelque chose. Dans une déchiqueteuse, mon gars. Dans une déchiqueteuse. Je sais pas, là. Tu sais, n'importe qui, en fait, mais quelqu'un qui fait juste chier sur le stage, ça dure à peu près 10 minutes, le temps d'un caca normal. Puis après les gens. J'avais vu qu'on parlait du débat. C'est juste que le monde serait tellement hype d'y aller, puis le monde pense que c'est, mettons, Pink Floyd qui vont voir. Finalement, c'est juste un monsieur qui chie 10 minutes. Puis après ça, bye-bye, merci. Mais au show bien chaud qu'il y a eu l'été passé, ça a failli arriver. T'avais, ouais, ça a passé proche d'arriver. Hein. Ouais, mais je sais pas si je l'ai déjà compté ou ça s'est sûrement sorti quelque part, mais t'avais Jay La Liberté qui était sa scène, puis il a dit « Ok, si quelqu'un me donne 100$, m'a chié dans un seau. » En 5 secondes, il y a quelqu'un qui met 200$ sa scène. Ah, shit! Là, t'as Jay qui est comme « Ben là... » Oh non! Au show ben chaud cet été, Max était là, puis il a tellement juste fait de quoi de parfait. Tout le monde criait pour que... Criait les pigbois pour le faire monter sur stage. C'est ça, mais il voulait faire monter Max sur stage. Il a juste été calé des peintres de tout le monde qui était assis en avant, ce qu'on verrait pas aujourd'hui non plus. Il a juste calé des peintres de bière à tout le monde en avant, puis
Il a juste droppé le mic, puis il est allé s'asseoir. Il a même pas dit un mot, puis j'ai trouvé ça tellement parfait. Bon, ça, c'est mon Mac. Mais un autre réalisateur overrated? Je pense pas que j'ai des noms. Moussaïa, il a fait un excellent film. Son premier film, qui est Le Sphinx. Je vous le conseille fortement. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Connais pas. Puis il est sur YouTube au complet. Et ouais, okay. C'est un excellent film. Marc Messier aussi, c'est une belle interprétation. Ouais, Serge Chériault, le rôle de oscarisable, c'est un Joe Pesci dans Goodfellas. Il est... Il fait une espèce de mafieux, puis il dit « Hey, le clown, quand t'es ici, les blagues, c'est moi qui les fais. » OK? Ah ouais. Il fait peur, man. Oh, wow. T'as pas rentré dans ta tête de tes clous. Puis il est excellent, là, il est bon, là, ça peut être. Serge Chériault, en plus, il paraît qu'il a un bon caractère. Fait que j'imagine que ça doit bien fonctionner dans son cas. Ah, mais Serge Chériault, c'est ce que j'ai entendu dire. Il est malade, même le premier, Boys, genre, tu sais, l'opening scene, ça a quasiment look comme un Tarantino, là, tu vois comme la fille, la barmaid qui marche, genre, tu sais, comme dans le bar. Il y a de quoi de gangster, un petit bar crade, un petit bar, une partie de poker. Moi, je pense que, moi, c'est le buzz sur le film de Revenant que j'ai pas trop compris. Que j'ai trouvé très bon. J'ai trouvé très bon. Puis DiCaprio, je crois qu'ils lui ont donné son Oscar parce qu'il était dû. Mais son interprétation dans The Wolf of Wall Street était, à mon avis, beaucoup plus surprenante. Ben oui, est-ce que je suis d'accord avec toi? Là. Mais c'est un tour de force de DiCaprio de Revenant. Puis mais tout ce que tout le monde disait, c'est comme « Oh Chris, il est végétarien, il mangeait de la viande crue. » C'est comme « Ouais, c'est cool. » Mais c'était pas le meilleur rôle que j'ai vu de ma vie. Là. C'était pas. Genre, pour vrai, je trouvais que Tom Hanks dans Castaway était meilleur que DiCaprio dans The Revenant. Mais moi, c'est dans la meilleure réalisation, c'est lui qui a gagné. Puis cette année-là, ça aurait tellement donné à Mad Max Fury Road qu'il m'avait époustouflé. À chaque fois que je l'écoute ce film-là, il m'épate, il m'éblouit. Ouais. Et ce film-là, souvent, le monde dit mais il n'y a pas d'histoire. Fuck you. L'histoire est toute dans le mouvement, dans la quête. C'est une histoire, là, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on dit. On raconte une histoire, mais ça peut être dans le visuel, ça peut être dans ce qui se passe. C'est complètement un retour aux sources. C'est un plaidoyer pour la femme. C'est un plaidoyer contre, justement, végétalien, pratiquement. C'est plein de métaphores bibliques aussi. Le retour à la source, reprendre nos biens. Mais tout ça, c'est juste pas dit, mais ils le font. Et c'est incroyable. Moi, ce film-là, je trouve que c'est un des meilleurs films qui est sorti dans les fins de la dernière année. Même au niveau de ce qui est en surface, je pense... je ne suis pas un grand fan de cinéma ou quoi que ce soit. Je ne suis pas capable d'avoir ces analyses-là. Mais même au niveau juste aussi bête que les véhicules, les props puis tout ça, là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour le film, etc. J'avais vu un documentaire au complet sur la personne qui avait conçu les véhicules du film, puis il fait plusieurs autres véhicules puis tout ça. Puis honnêtement, le travail qui est fait là-dessus, c'est incroyable. Fait qu'il y a de quoi de savoureux dans ce film-là où tu peux faire des recherches quand même assez approfondies de ce que je comprends. Là. Mais moi, je ne sais pas si c'était la même année. Je pense que oui, mais moi, parce que si je me trompe pas, là, genre cette année, moi, le film me fait le plus capoter, c'était Baby Driver, justement, de Joseph Edgar. C'est bon, ça. Joseph Edgar. Non, c'était vraiment pas la même année, je pense. En 2000, c'est 2017, je pense. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, mais je sais pas certain si les deux sont 2017, là, je pense. Parce que. Mad Max, c'est 2015. Ah, ok. The Revenant, c'est 2015 aussi. Donc, Baby Driver, c'est soit 2017, soit 2018. Je pense que c'est après, je pense que c'est 2017. 2017, arrêt. Ouais. Ouais, mais ouais, je me rappelle cette année-là. Cette année-là, j'avais été surpris quand même parce que nous, dans le fond, avec la famille Mablon, toutes les années, on fait un pool pour les Oscars. Puis dans le fond, on a comme des points, des mérites. Mettons, si, exemple, un film est nominé deux fois, dans le fond, on perd un point si on l'a pas écouté. Fait que ça force à écouter les films, puis souvent, mettons, les films que j'aurais pas nécessairement pris le temps d'écouter, puis je trouve ça cool quand même. Puis, mais cette année-là, j'avais quand même été surpris que Mad Max ait autant de nominations pour un film d'action. Puis, tu sais, honnêtement, force est d'admettre que c'est un crise de mon film, mais genre, j'ai quand même été surpris, a priori, de voir qu'il y avait autant de nominations pour un film d'action. Tu sais, mettons, genre, si tu fais au film des années 80, genre, c'est comme s'il ferait
un remake de, je sais pas, mettons, L'Arme Fatale, le style, puis qui avait comme genre 8 nominations aux Oscars. Ben, premièrement, L'Arme Fatale, c'est un de mes films préférés, mais deuxièmement. Je veux pas dire que c'est de la merde, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais c'est pas une catégorie de films qu'on est habitué de voir en nomination aux Oscars. Et, mais cependant, je trouve que ça va au-delà du film d'action. C'est un film philosophique. C'est aussi que ce soit le retour au vrai cinéma, un cinéma d'amour, un cinéma qui est fait avec des vraies cascades, qui n'est pas du CGI ou pratiquement pas. Je pense que c'est un minimum de CGI, un minimum. Là. C'est impressionnant, moi. Puis le gars, le réalisateur, je pense qu'il était avancé dans la soixantaine. Là. Lui, il avait réalisé Mad Max 1, 2, 3. Ça, c'était le quatrième. Écoute, c'est de l'amour en maudit. Puis c'est, ouais. C'est une franchise que je trouve que marking beaucoup de réalisateurs, beaucoup de... ça crée un genre. Puis je pense que Mad Max, le dernier, a été l'occasion de célébrer tout le travail et l'ajout qu'il a fait au cinéma. Mais t'as raison. Mais tu sais, autant mettons que je suis vraiment fan de genre le film avec Keanu Reeves, le Matrix, John Wick. John Wick, ouais, exact. Autant que je suis vraiment un vrai fan. Ouf. Mais il y a des t-shirts. Non, mais Chris, j'ai bu beaucoup. Non, non, je t'ignore. Mais autant que je suis fan de John Wick, honnêtement, je suis vraiment fan. Puis excuse-toi d'avoir oublié, là. Pardon, excuse-moi. Parce que Marco s'excuse tout le temps, c'est ça, c'est pour ceux qui disent ça. En tout cas. Je suis trop poli. Ouais. Mais tu sais, honnêtement, autant que je suis fan de John Wick, c'est genre le film que tu serais quand même surpris. En tout cas, autant que moi, mettons, genre, sans vouloir dire que Mad Max ou L'Arme Fatale, c'est pas les bons films, juste c'est genre le film que j'aurais été surpris de voir aux Oscars. Autant que John Wick, je comprends là-dessus. Ouais. Hey, moi, les boys, malheureusement, vu qu'il est rendu 10 heures puis je suis chez mes parents, ben, peut-être que j'arrête ça parce que je veux pas les réveiller. Mais merci beaucoup, Don, d'avoir été avec nous. Merci énormément. Je vais finir avec une dernière question. On peut te laisser le... Ah, vas-y, Marco. J'aimais ça finir avec ces questions-là. Le pire moment sur scène que tu te rappelles, mettons, genre le moment que tu t'es senti le moins à l'aise sur scène, genre... Mm-hmm. Hey boy! attends un peu. J'ai essayé... Il n'y a qu'elle choisir. Okay. Ton pire et vite. Attends un peu. C'est pas mon pire, mais c'est une bonne anecdote. Est-ce que ça peut? Okay. Ouais, on faisait durant Juste pour rire, je ne sais pas pourquoi. Il y avait Reese, les chocolats, avait fait un concours pour les duos en humour. Puis, c'est comme genre, on faisait ça à l'Astral 2000 devant 20 personnes. Puis, le gagnant gagnait 2000$. Ah ouais, ok. Puis, ils ont formé des... Oh, mon Dieu, c'est un beau chien, ça. Bataille de chats. Ouais, excusez. Pardon, excuse-moi, continue. Ben non. Puis là, c'est ça, puis c'était vraiment bizarre. Puis, c'était juste une grosse pub pour Reese. Mais devant 10 personnes, puis les juges, c'était genre Guy Nadon. Que tu sais, moi, Guinadon, ça en est vraiment forever. À l'Astral 2000. Pas 2000, à l'Astral où c'est que c'était tourné, Éric Salvaille et tout. Là. Okay, parce qu'il y a une grosse différence entre l'Astral et l'Astral 2000. L'Astral, c'est du bord de l'autoroute. C'est à côté de Musique Plus, dans le temps. Ouais, c'est ça. C'est la place des arts. Plus, à côté du Grand Moral. L'Astral 2000, c'est sur Ontario, c'est un bar miteux. Ouais. Puis, en gros, ben non, c'est ça, puis c'est vraiment absurde. Le gagnant 2000$. Le gars, nous autres, on nous invite parce qu'il n'y en a pas 1000 duos au Québec, Chris. Il invente des duos parce qu'il n'y en avait pas assez. Puis nous autres, tout le monde est en coulisses, tout le monde est chill avec ça, mais personne ne comprend qu'est-ce qu'on fait là. Et là, nous autres, on faisait un numéro de Michel et Jean-Michel, deux vieux personnages qu'on avait, qui étaient comme des gars du secondaire, des moustaches molles, des grosses lunettes, des chemises à carreaux. Puis... ouais. Là, le sketch, c'était que Michel avait oublié Jean-Michel dans le char à ronde. Fait que là, Jean-Michel, avec toute la face rouge, mais toute rouge. Puis là, on avait pris du rouge à lèvres, puis on l'avait beurré, puis là, on l'avait mis, puis là, il avait pas un coup de soleil. On fait le numéro, personne ne rit, Guy Nadon rit pas. On sort, on s'est planté, mais on s'en calisse un peu. Mais, non, on s'en calisse pas, mais tu sais, c'est pas grave, il y a 10 personnes. Moi, ça me fait chier de m'en replanter devant Guy Nadon. Et là, Max commence à se démaquiller.
Mais c'est l'hostie rouge à lèvres rouge. Là, il essaye de se démaquiller, il n'est pas capable. Et là, l'alarme d'incendie sonne. Fait que là, il faut qu'on sorte. Le Maxime, il a pris la face rouge. Les cheveux, nos personnages, les cheveux étaient comme en l'air. Là, on sort, t'as tous les pompiers qui sont là, l'alarme d'incendie, pis t'as Maxime comme si j'avais passé au. Le monde du festival, le juste pourri qui pense. Mon Dieu, t'as-tu vu? T'as-tu vu le gars? Pis t'as Maxime là. Oh my God, c'est une belle perte de temps. Merci beaucoup de t'être joint à nous pour elle. Une belle soirée que vous m'avez offert là. Puis, si un moment donné, gênez-vous pas, moi je vais toujours être bien content de. Même si ça serait que pour une chronique ou quoi de même, c'était vraiment le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est un honneur. Je mais genre pour elle, c'était un achievement de t'avoir. On est fans. Puis quand on a commencé le podcast, nous, on aimait beaucoup Décideret. Puis on espérait vous avoir sur le podcast depuis le début. Fait que de t'avoir, ça veut dire vraiment beaucoup pour nous autres. Fait que je te remercie grandement d'être là ce soir. C'est vraiment apprécié. Et vous allez, si vous voulez avoir Julien, je suis sûr que ça lui ferait plaisir, Maxime. J'aimerais remercier Alex. Alex, j'aimerais ça le dire publiquement parce que c'est vraiment très généreux de ta part. Alex, avec ces derniers temps, je suis le moyen. J'ai eu des moments plus difficiles. Et Calvaire, il savait ça, lui. Puis pour me faire du bien, pour me changer les idées, ben Chris, il m'a donné son PlayStation 3. Ah ouais! Oh, damn. Ça me fait plaisir. C'est pas tout le monde qui aurait fait ça, Alex. Puis merci beaucoup. C'est très précieux. Ça m'a beaucoup touché, man. Puis ça, c'est toi, man. T'as le cœur gros de même, Chris. Merci, Alex. Ça me fait vraiment plaisir, Dom. Puis si vous voulez avoir une place dans mon cœur, vous savez c'est quoi? PlayStation 4 ou le prochain? Xbox One! C'est le jeu que tu veux, là. Tu vas changer d'Xbox bientôt, Dom, là. Non. Veux-tu ce que... Mais hey, merci beaucoup tout le monde. C'était une journée grise aujourd'hui, puis vous m'avez mis beaucoup de soleil dans ma vie. Ouais, merci. Merci à toi, Dom. Merci énormément. C'est réciproque. Puis, merci à tout le monde d'avoir écouté, puis passez une belle semaine. Yes. Oui, absolument. Peace. Merci. Comment je suis comme ça, mon cousin m'a crossé. T'as pas bon? Bon. Mais moi, je vais vous quitter aussi, moi, avec. Bon. C'est de l'African porn. African porn? Moi, non, je vais aller donner du love aux personnes que je dis. Reste dans le salon, venez pas ici. C'est ton salon. Mon salon. Mon appart. Moi, je finirai ma bière avec vous autres, par exemple. Oui, si ça vous dérange pas. Je vais aller fumer une clope, puis je reviens, moi. Ouais, voilà, moi aussi, la même affaire. Je vais aller fumer une clope aussi, mais je reviens tout de suite. Je vais peut-être même revenir avec Jasmine. Oh, t'as parlé. C'est moi, je vous dis. Ciao, les boys. Ciao. Ciao, Jeff. À bientôt. Fais attention à toi. Bye, Jeff. Yes, c'est